Et salut tout le monde, comment ça va? Depuis tout à l'heure. Héros tout le monde. Je suis au garage, il y a du monde là pour une fois. Où ça, où elle est? Ouais, je suis au LS. Il y a plein de monde. Je vais sûrement passer puisqu'il me manque une putain de portière, sauf si j'ai réussi à la refixer, mais à mon garage tout à l'heure là, je vais voir. Ouais, ok. Bah, vas-y, passe, hein. Passe, passe. Ouais, bah j'espère que t'as des portières de Schlagenstier parce que putain, il manque une portière! Alors là, je suis sûr de ça. Intérêt à avoir une portière, wesh. Ah putain, il faut que je retire. Pas de... On est 6, on a un couteau, il m'en faut 5. Je veux que tous mes gars aient un couteau. Et Retenos. Un, 3, 4 Voyo! et un 5. Et ça me prend sur le compte. Oh putain, il fallait pas retirer. Hey, y a plus de porte, putain, j'ai le démon, C'est j'ai. toi, Rurika? Ah oui, c'est WAM. Ok. J'ai acheté un couteau pour tout le monde. Pour qu'on ait tous au minimum un chelas sur nous. Yes, ça marche.
tu sais où tu vas l'acheter ou pas? Mais c'est bon, je les ai achetés déjà. Ah, bah dis-moi combien que je te dois et je te rembourse. $750. Ça marche, je te fais le virement. Merci. Ah bah de rien. Ouais, comme ça je veux tout le monde avec un schlass au minimum. Comme ça, si la situation tout à l'heure venait à se reproduire, on cherche pas à comprendre. On plombe. Ah bah clairement ouais. C'est bon là, je veux la jouer gentil, je veux la jouer respectueux. Terminé. De toute façon, je pense que t'as qu'un mot à dire et ça sera fait par tout le monde. Du coup, t'as prévu de faire quoi ce soir? Pour l'instant, j'ai deux clients à voir et je fais réparer ma caisse puisqu'il me manque une putain de portière. La caisse, ça marche. Bah, je vais ouvrir le LS en attendant. Oh, il y a Richie déjà. Ok, bah j'y vais aussi. Richie, je te la fous sur un pont. Fous-la sur le... Laisse-la ouverte, fous-la sur le parking, s'il te plaît. Comme ça, je m'en occupe yes. Après, parce que là, je suis blindax. Hey, dépêche-toi, il est tout seul, il est blindax. Il y a quatre voitures, là. Allez, j'y vais. C'est un PNJ ça. Bouge, hop, j'ai un petit cadeau pour toi. Ah. Yes, nickel. Richie, je reviens, j'allais me changer, je reviens. Comet S2 Cabrio. Donc ça vient de s'acheter une Comet S2 Cabrio encore. Donc ça vient encore de claquer une voiture à je sais pas combien. Et c'est les autres qui abusent du business. Et plus vite, Jean. T'es sur la radio, Ruchi? Yes. C'est la même affaire. Celle de Rurik à faire. Celle de Rurik à faire, et après faudra juste redonner celle d'Anna qui attend sa voiture là. Je pense que la voiture elle est sèche d'ailleurs, et on est bon. Il y a juste une portière à mettre, frère. Si on... Ça marche. Donc ma voiture est sortie de la sienne, peu cher, qu'elle attende pas pendant 10 jours. Ouais, c'était prévu. Le lavage, je m'en bats les couilles, tu mets juste une portière, c'est pour avoir une porte. Viens là deux secondes. Il y en a deux secondes avant de lui ressortir sa caisse. Oui, vas-y. 38. Non, t'es dans le coffre. Ça va, frère. Ah, ouh. Quoi, frère, pour un boulet ou quoi? Non, mais j'ai cru que, ouais. Au moins, tout le monde aura un couteau.
tout le monde aura un couteau minimum. Il y a quoi que ce soit, schlack, coup de couteau. Je m'en bats les couilles. Oui, Tommy l'a déjà parce que je lui ai donné. Là, il m'en reste un pour Amy, un pour Pépito. Un pour moi. Ah merde, j'en ai acheté un en trop. T'as autant de taf que ça, là ? Ouais, c'est pour ça, s'il y a du boulot, travailler, on ira faire le reste après. Hein. Donc ça vous fait de la thune. Bah là, ça s'est calmé, mais ouais, il y a encore plus longtemps, j'avais pas mal de queutrues. Hein. Alors, la petite portière pour monsieur. Parce que j'avais la véhicule des du Vagos là qu'on a vu tout à l'heure, là, Carlos, là. Je l'ai faite. Anna m'a filé trois de tes voitures. Là, la voiture que je suis en train de réparer, j'ai déjà réparé et en fait elle a pété sur le parking, je sais pas pourquoi. Donc, du coup, je lui ai refait sa répa, mais. Ouais, je sais pas si c'est passé, du coup, bah, je vais faire tu le 300 au cas où, mais. Ouais, non, quand c'est. Alors, quand c'est de ta faute, tu fais pas de facture. Ouais, bah c'est pas de ma faute, mais je sais pas si c'est passé sur le parking. Moi, normalement, il y a que la portière. Des gens habillés en tacos. Ouais. Normalement, il n'y a que la portière, elle est nickel la caisse. Hein. Yes. Le nettoyage, je m'en bats les couilles. Je le ferai Tu veux pas que je te mette un petit coup de Karcher? Non, je le ferai moi après, t'inquiète. J'ai rendez-vous à la demi à l'exotique, donc. Ouais, ça va. Ne casse pas la tête, je le ferai moi là-bas direct. Yes. Tu dois recevoir un certain monsieur Ayrton Fonji. Ah, faut que tu bouges la dépanneuse, hein. Ouais, je sais. T'inquiète. Elle est quand même mieux avec la portière. Ah bah oui, elle est beaucoup plus belle, lui. Faut juste que tu me factures la répa aussi. Il va te le faire. Et comme ça, je bouge, je vais voir Pépito, lui donner un couteau aussi. Oh la voiture, putain. Tommy, j'ai laissé mon premier. Le problème, c'est que j'en ai acheté un trop, mais je vais aller en donner un à Pépito. J'en ai un à garder pour Amy. Et on finit dans la boîte à gants, les couteaux. Comme ça. Et voilà. Ah oui, j'ai fait des révisions de la voiture, je l'ai. Et voilà, c'est payé. Ce que je suis en train de réparer là. Et nickel. Bon, bah si t'as besoin, t'appelles. Hein. Yes, ouais, bah de toute façon, et que ce serait un peu plus calme pour vous, oui, on ira. Yes, ça marche. Si on peut pas y aller ce soir, on peut pas y aller ce soir. Darius m'a filé ma prime au fait. Ah, t'as eu combien? 10K aussi. Tu vois. Les gars, je file à l'hosto, je vois Pépito, je file un schlass. Yes, ça C'est pas grave. Oh, mes couilles. Je vais réparer la voiture, j'ai pas de cul, je la redémonte. Mes couilles.
quelqu'un. Si. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir, juste un petit instant. Bonsoir. On va faire un tour ? Ouais, on va faire un tour. A plus tard tout le monde. A plus tard. Putain, c'est Rurik. Coco. Eh oui, c'est Rurik, comment ça va ? Ça va être toi. Ouais, tranquille. On peut plutôt t'as deux minutes ? Ouais. Ouais, papy. Alors tu réponds pas au téléphone, t'es pas en radio, rien. Non, je tire la fréquence des SMS un petit peu. Sur ton téléphone, j'ai rien eu. Juan Gonzalez, c'est pas pour toi. Ouais, mais je te jure que j'ai rien eu. Ouais. Tu vois, ça sonne pourtant. Ouais, mais tout à l'heure, j'ai rien eu. Je comprends pas. Ouais. T'es glissé un petit couteau, tu le gardes toujours sur toi, c'est mesure de précaution. Ouais, ouais, pas de soucis. Alors, t'avais du croustillon pour moi ? Ouais, il y aurait un groupe qui se revendiquerait sur Vespucci. Ouais, c'est les Vagos. Ouais, donc voilà, comme ça, c'est à peu près où ils sont. Et faut qu'on fasse attention. Au truc que Tommy a trouvé, parce que les flics ont la position. Allez, que font la pause déjà ? Ouais, ouais, ils l'ont. Cet après-midi, j'ai dû aller chercher un keuf pas loin. Ouais, c'est les Vagos parce qu'ils nous sont tombés dessus quand on a essayé d'aller voir. Mais c'est bon à savoir que les flics ont la pause, ça veut dire qu'on ira ouais, pas ouais. Dessus. Eh ben, merci, mon Pépito. De rien. Bon, ça va, toi ? Ouais, ça va, tranquille. Les gars, le vol de voiture, c'est plus que mort, non pas juste à cause des Vagos, mais parce que, apparemment, les Vagos revendiquent Vespucci, officiellement. Et en plus, les keufs ont déjà la pause, puisque Pepito est allé sauver un keuf à côté du mec qu'on a essayé d'aller voir tout à l'heure. Ok. Donc ça sert à rien d'aller là-dessus, les keufs tournent et surveillent. Tu vois que je suis utile à l'hôpital. Ah oui, non, mais je sais très bien que t'es utile à l'hôpital, mon bébé. Après, l'info de Vespucci, on l'a eu parce qu'on est allé sur place et que les Vagos... Enfin, un Vagos nous est tombé dessus et... Pff, mes grosses couilles, voilà. Ça s'est très mal passé, voilà. Rurik colère. Ouais, tu m'étonnes. Mais tranquille. C'est pas grave, on s'en bat les couilles. Ok, pas de soucis. Mais c'est bon de savoir par contre que les keufs ont le truc, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on évite. Ah ouais, parce que là ça veut dire... Mais je sais pas comment ils l'ont eu, ça j'avoue que c'est bizarre. Oh, moi je sais. Les Vagos, pas discrets. Même s'ils essayent de s'habiller tout en noir et de pas y aller en couleur, bon... Ils peuvent pas être discrets, c'est tout. Ce que je sais, c'est que le flic, il a été sur le truc en question, mais il l'a regretté très amèrement. Tu peux tirer dessus? J'ai la couture d'une plaie à couteau. Oui, d'accord. Ok, ok. Bon. C'est bon à savoir. De rien. Ouais, tu fermes plutôt. Bon, ça va, ça se passe tranquille. Ouais, ça va. Bon, ce soir, si jamais on va vendre un peu de dope, tu viens avec nous? On verra, parce que vu que je suis tout seul en surface, ce soir, il faut quand même m'assurer. Si jamais il y aura un problème, mais je fais que le possible. Ça marche. Tu me tiens au jus ? Ouais, ouais, ça c'est un coup. Allez, moi je vais ouvrir mon garage parce que j'ai du monde qui va débarquer. Merci mon Pepito. De rien, pas de soucis. Et bisous à tous. C'est bien, hein. L'espérance de vie d'un point avec eux, c'est deux heures. Ça jamais été moins fort. Ouais, je sais, mais bon. Faut faire un peu des activités avec mon Pepito aussi. Ouais, ouais, je sais, t'inquiète. Allez, bon courage. Merci. À tout. Ouais, non mais... Ils ont poignardé un keuf sur la position. J'ai juste envie de leur faire le fiac, là, tu vois. D'y aller et de les découper. Imagine la logique des gus. Mais ils ont pas de logique. Ils savent rien faire, c'est des manchots.
pour faire piou-piou, c'est tout. Ils ont amené un keuf sur leur pose, sur le type, ils ont amené un keuf au type, et ils ont poignardé le keuf. Et Pito, il a recousu une plaie au couteau. Et trop de balles, frère. J'ai jamais vu un niveau de débilité pareil. Bonjour. Et où ? C'est moi qui vous ai envoyé un message tout à l'heure. Je suis arrivé sur l'île depuis pas longtemps. J'ai essayé de passer au bureau de police, mais j'ai trouvé personne. Ayrton ? J'ai essayé d'avoir un peu d'être guidé. Oui, Ayrton Fanji, oui. Ouais, Rurik Torlif, enchanté. Enchanté. T'es sérieux ? Du coup, je suis venu à votre magasin parce que c'était le plus proche à pied. T'es sérieux, tu me remets pas ? Comment ça se fait qu'il revendique le point alors qu'il l'avait pas revendiqué avant, enfin la plage? Ça, je te remets pas. T'es sérieux? Tu me vois, tu me remets pas Rurik, le vignoble, tout ça? Il y a des trucs bizarres avec les pioupiou là, j'ai juste envie de leur latter le fion. Putain de merde, le monde est petit hein. Bah oui. Ah ou quoi? Bah bien, et toi? Bah ça va. J'ai vu ton blaze. J'y ai pas cru. J'y ai pas cru. Bah écoute... Et bien toi? Oui, c'est moi. Je repars de zéro. Oh. Incroyable. Il va falloir que je règle les notifications sur le téléphone parce que là, oui, je suis mort des oreilles. Baisse le son, baisse le son. Tu termines ici? Tu as déménagé toi aussi? Ouais. Écoute, quand on peut pas faire ce qu'on veut, au bout d'un moment, on en a marre et puis on change. Hein. Bah ouais, tu m'étonnes. La police t'intéresse toujours? Oui et non, là pour l'instant je voulais profiter mon diplôme de mécanique pour en faire. Alors, je t'avouerai que moi je suis pas mécano, je suis préparateur automobile. J'ai très très peu de clients pour l'instant. Donc les salaires, à part le salaire au quart d'heure, il n'y a pas grand chose. Hein. Ouais, bah après, moi tu sais, je prends ce qu'il y a. Hein. Après j'ai essayé d'aller voir pour la couture, mais je suis pas sûr que j'arrive pas. Alors la couture c'est de la merde. Je te déconseille, la couture c'est de la grosse merde. Et ici, à part tanker au garage toute la journée sans avoir personne, ce qui va vite te faire, tu vas vite te faire taper sur les doigts et moi aussi par les autorités, tu sais, ceux qui contrôlent le travail là. Ouais. Donc c'est un peu compliqué quoi. Ah, ok. Ouais, c'est un peu compliqué. Mais disons qu'on est déjà deux en plus, on n'a pas tant de clients que ça. C'est chaud, pas de mytho, c'est chaud. Par contre, est-ce que tu connais peut-être un autre garage? Parce que j'ai vu qu'il y en avait un à Paletto, mais ça fait moins un deux. Il y a Paletto et il y a le LS Custom, mais le LS Custom, je sais pas s'il recrute encore. Et les gars, ça recrute au LS? Je crois, ouais, je suis pas sûr. Ça recrute toujours au LS? Je crois pas, je sais pas. Mais je vais essayer d'appeler Darius, mais je suis pas sûr qu'il soit là. Il est pas là pour l'instant. Hein. Putain, il appelle le patron du LS Custom. Ah bah. Téléphone, il sonne, voilà. Vois peut-être. Oh, c'est Juan, l'autre patron là, celui qui est. Ouais, c'est lui, ouais. Ouais. C'est sa femme, celle qui tient le Burger Shot. Si j'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Je peux voir avec sa femme, c'est là, mais pourquoi pour recruter qui? Rien tout, toi. Non, viens, on va aller à l'hôpital. Rien tout. Merde, j'ai pas fait gaffe. Ouais, tu tousses. C'était pour Ayrton, parce qu'il voulait se faire recruter chez WAM, mais j'ai déjà émis, on est deux, et puis il n'y a pas de travail, frère. Ah, t'as vu Il est avec moi, là. Je suis en train de l'amener à l'hôpital. Ah, là, trop bien. L'hôpital recrute aussi, au cas où. Hein. Moi, je sais réparer les bagnoles, mais réparer les mecs, c'est chaud. Ah,
ça s'apprend. Je veux bien essayer de le taper avec une clé à molette, mais ça va pas marcher. Vu de l'activité, je ne pense pas. Je crois qu'on est déjà 4 mécanos et les deux boss. Non mais Juan, il travaille plus au garage, les gars. Si, il y est toujours. Je croyais qu'il était plus. Tout à l'heure, il y est toujours. Je croyais qu'il était plus. Bon, alors moi, hier, il m'a dit que c'était juste pour dépanner sa femme, oui. Ah, c'est bien. Oui, il était au Burger Shot pour dépanner sa femme, mais sinon, il est là, quoi. Il a un peu la gerbe. Ok. Je vais t'amener. Ah, il est là, mon pépito. Je comprends pas trop, mais... Pito, je t'amène un monsieur qui est fraîchement arrivé, qui est tous... C'est la deuxième fois que je le vois depuis que je suis arrivé, tu vois. Okay. Ouais, non mais Juan, il est pas là beaucoup. Mais niveau recrutement, faut voir avec Darius. Ouais, le problème, c'est qu'il a pas de voiture... Il a pas de caisse, Ayrton, c'est ça qui est problématique pour lui. Il a pas de voiture pour l'instant, Il vient juste d'arriver, il a pas... À part la couture, il a pas grand-chose, hein. La facture, c'est pour moi, Pepito. Voilà, salade, croque, là, c'est quoi. Merci beaucoup. La facture, c'est pour moi. Bon, et ben allez, sirop pour la toux. Ouais, je vais voir avec Kenzo, et je vais voir avec Kenzo si Kenzo ne recrute pas. Ah, ça va mieux. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, à la limite, hein. Puis, merci, Rurik. Ouais, normal, t'inquiète. Laisse pas la tête. Sachant que j'ai déjà passé mon code et mon permis. Hein. C'est bien, ça, par contre. Bon, je me suis dit, de toute façon, ils vont pas reprendre le permis que j'avais avant, donc je vais leur passer. Ah non, ça. Après, le LSPD recrute. Là, il y a une porte ouverte au commissariat, au cas où. Why not? Et sinon, à 40, je suis censé voir le patron du garage de Paletto, qui vient me faire mettre un moteur, là. Il vient me faire tester une de ses caisses. Ouais. Pour voir quel moteur je peux mettre dedans. Bah écoute, déjà, si tu tiens la mécanique, on peut faire lui. Je vais te mettre. Je vais Alors, te prendre ton numéro. Est-ce que tu connais la magie du airdrop? Regarde bien. Airdrop. Paf, je te partage mon contact. Oh putain, t'es trop fort. Alors attends, faut que je vois. Juste à le valider, c'est bon. Ouais, tu l'acceptes et c'est bon. Ouais, c'est bon, je l'ai. Faut que je vois comment je fais pour le faire, moi par exemple. T'inquiète, j'ai ton numéro déjà. Mais pour AirDrop, tu cliques au niveau de. Sur ton petit téléphone là, avec ton pouce, tu swipes vers le bas au niveau de ta batterie et de ton réseau. Ouais. Et tu cliques sur l'icône Bluetooth. Pourquoi j'arrive pas. Attends. Ah si, voilà. Bluetooth. Dans combien de temps ils peuvent passer monsieur là pour la voiture? Et bim. D'accord. Ah bien. Quel nom? C'est pas mal 45. Du tout. Ouais. Putain, j'ai pas l'habitude d'avoir des téléphones si élaborés. Et oui, t'as les applications à télécharger aussi. Bon, je crois que t'as vu. J'ai tout récupéré, mais il y en a pas beaucoup. J'arrive pas à les faire marcher ou ça marche pas, je sais pas. Mais... Ouais, il y en a pas beaucoup qui servent. Il y a Squawk, il y a Snapgram, il y a Tunify qui sert, puisque c'est pour faire fond d'écran et sonnerie. Ouais. Par contre, j'en ai installé, mais j'arrive plus à les retirer maintenant. Après, il y a Veil, c'est quand t'auras tes véhicules, c'est pour te les faire livrer, tu vois. Ouais. J'ai vu advertising, il y en a qui vendent des bagnoles. Voilà, ça vend c'est pour vendre un peu des bagnoles. D'ailleurs, Vintorson, c'est mon frangin. Enzo Kyle, c'est le patron du. Putain, va falloir j'aille me faire du Nord. D'accord. T'as une petite une Vista Kanjo. Oui, elle vaut son petit prix. 25K. Eh, mais c'est une Vista, quoi. J'ai regardé, de toute façon les prix sont à peu près les mêmes, peu ou prou que... Oui, alors tu vas juste te rendre compte qu'ici l'économie est plus dure. Ouais, bah ça après, comme d'hab, c'est comme d'hab, faut bûcher. Hein. C'est ça, allez viens. On va faire un truc, tu vois. Et c'est vrai que déjà si je pouvais, si j'avais de quoi me prendre une panto, une petite merde qui me permette de me déplacer déjà... J'ai regardé, j'ai même pas été foutu de trouver un vélo, mec. Les vélos, ils s'achètent pas aux concesses. Mais ça, c'est... Moi, la voiture, là, c'est une importée. Elle vient direct d'Allemagne. Bah là, je lui ai fait tous les niveaux, les filtres, tout ça. Ouais, c'est bon. D'accord. Et oui, normalement, c'est la Schlagen GT. Celle-là, c'est le modèle au-dessus. C'est la STR. Ah. Oublie pas de bien mettre ta ceinture. Hein. Ouais, c'est fait.
La facture elle est déjà faite, hein, moi. Ouais, ouais, t'inquiète. Vache, tu dépotes, y'a pas de radar ou quoi? Si, y'a des radars. Et je suis un pilote, moi, c'est mon métier. Hein. D'ailleurs, c'est bizarre de te retrouver là parce que c'est vrai que j'avais plus de nouvelles. Eh ben, y a eu la fin des Drekars et je suis parti avec une partie des gars. Et on a décidé de se remonter ici sous une nouvelle identité, une nouvelle famille. Ah, ouais, pas con, pas con. Départ bon, à frais. Je vais pas te mytho, hein. On est toujours. Voilà. T'as ouvert le LS ou pas? Et c'est moi le boss. Fait. Ah ouais, c'est plus facile quand c'est toi le boss. Ouais, 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 au moins j'ai moins d'emmerde. Mais tu vois, j'ai mes gars avec moi, genre, j'ai vraiment mes gars avec moi. C'est là qu'on voit que le temps a passé, parce que la barbe a poussé quand même. Hein. Ah bah la barbe a bien poussé, ouais. Ouais, non, non, c'est moi, je dirige mon petit groupe, je suis tranquille. Ah, Enzo, ah merde. Ah, les Scutsum a ouvert. Ouais, ouais, c'est eux. Je pars de Paléto. J'étais venu voir les prix, mais c'est chaud. Hein. Je vais voir. Je remate. Alors. Compact. Ah, c'est les compacts les moins chers. Ah, ça va, la Ponto, là, 2007. J'avais pas vu. Si on s'entend ou pas quand on est en train de regarder les véhicules. Je crois pas. Je t'entends mais de très loin parce que du coup moi je suis au niveau des voitures, tu vois. Ah, d'accord, ok. Tac tac tac. Alors ouais, donc je disais au final bah, Punto c'est le mieux hein, pour c'est le moins cher. Pour démarrer, ça peut. Ça fait le café. Enfin, je sais pas si c'est les mêmes modèles que qu'on connaît, mais. Bah, ça monte à 150, hein. La Blista t'intéresse? La Blista 3004, elle t'intéresse? Ayrton, tu m'entends là? J'entends. La Blista 3004, elle t'intéresse? Attends. Ouais, je suis ouais, c'est bon. La Blista 3004, elle t'intéresse pour commencer? Ouais, même la Ponto, ça me suffit. Ça sera plus vite, je crois. Hop là. On va passer à côté de mon garage. Il y a un garage public et je vais te filer la carte grise. Ah. Si. Ça marche comment d'ailleurs les cartes grises? Il faut les payer aussi d'avance ou... Non, 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 t'as juste acheté la caisse. D'accord. Moi là, c'est juste qu'il faut qu'en fait on passe dans un garage public, donc on présente ta voiture. Oh bah merci, c'est cool. Pour 3000 et quelques. On va retourner à mon garage. Ouais. Donc à Mirror Park. Tu regarderas sur ton petit GPS en 422, là au bout de la rue de mon garage, il y a un garage public. On se retrouve là-bas. Comme ça, je te fais le transfert de carte grise. Bah, je le vois pas, moi, sur... Oui, tu le vois pas, le garage public. Ok, c'est dans la rue de ton garage. Dans la rue de mon garage, au bout, tu verras, il y a un petit parking. Et en fait, ça sert de garage public. Mais il n'y a pas tout indiqué sur le GPS. D'accord, ok, ok. Et pour... Donc, par rapport à ton garage, c'est à l'est ou c'est à l'ouest? C'est en 422. Donc, c'est... après, tu vois, c'est à gauche, à l'est. Non, c'est à l'ouest, pardon, 422. Okay, je vois. En 422, oui. Ouais, je vois. Alors, par contre, je crois que le moteur, il tourne. Oui, il faut que tu sois... Rentre, faut que tu sois égal à toi-même.
quand t'es égal à toi-même, tu vois, t'as toutes les options, porte, fenêtre, oh. moteur. Voilà. Et on se retrouve là-bas, comme ça je te fais le transfert de carte grise et t'auras officiellement ta première caisse. Oh, merci. Et après je vais te présenter le patron du après je vais te présenter le patron du garage de Paletto. Ouais, d'accord. OK. Ah, tout le monde m'a aidé, je file un coup de main. Hein. Vinci nous a aidé, tout le monde nous a mis bien, je vais pas le laisser comme ça. En plus, c'est un collègue de Rurik. Il voulait être flic et qui savait que Rurik était crimi, tu vois. Donc Rurik ne va pas laisser son collègue en galère, en plus il le reconnaît. Je pense qu'il savait pas qu'il pouvait garder son background de 21, parce qu'il commençait à me voyer, machin. J'ai dit non, mais Ayrton, c'est Rurik, du vignoble. Genre, oh putain, mais oui et tout, machin. Eh oui, frère. On se connaît déjà. Bon bah nous on a personne, Rurik. Yes, le problème c'est que moi j'ai... Putain, j'ai tout le monde qui m'appelle en même temps, vas-y. J'ai le chef des Vagos qui m'appelle. Bah vas-y, gère et on fera ça demain au pire. Ah, allô. Ah, là, comment ça se... Ça va avec toi? Bah ça va bien, ça va bien. Petite question comme ça. T'aurais pas vu un maire manœuvre? Non. À part tout à l'heure quand on s'est vu, j'ai vu son père. Moi je me suis couché entre temps, je suis levé depuis pas une demi-heure là, tu vois. Ah, d'accord. C'est Jean Mermano qui a disparu et je le cherche depuis tout à l'heure. Il était sur les quais et je sais que vous, à Valence, vous avez tendance à traîner par là-haut. Et du coup, j'ai posé la question si tu l'avais pas croisé ou quoi que ce soit. Non, j'y ai pas été. Ok, ça marche. Je suis à l'auto-exotique, tu vois, j'y ai pas été là. J'ai d'un gars. Il vient d'arriver en ville et que je connais depuis un petit moment. Donc non, du tout. Non mais y'a pas de problème, c'est pas... si t'as des nouvelles de lui, par favor, tiens-moi au courant. Ça marche. Ça marche. Gracias. Allez. Bon courage. À la prochaine. Gracias. Bon, apparemment y'a un dégât du... y'a un dégât des Vagos qui a disparu. Soi-disant il serait allé traîner sur les docks. Donc il m'appelle à moi. Ouais. Et pourquoi nous? Parce qu'apparemment on traîne beaucoup sur les docks. Les gens ils savent des trucs. Je sais même pas comment ils savent, frère. Ouais, moi non plus. Mais tu veux que j'aille faire un tour ou pas? Ouais, va surveiller au cas où. Ça marche, j'y vais de suite. Et yo, ça va? Ouais, désolé, ouais. Je fais 10 000 trucs, ça va tranquille. Hein. Ouais, t'inquiète. Limite, ça serait... m'aurait fait plaisir que ce soit nous, tu vois. Mais non. Ça se passe le garage? C'est un peu mou. Ouais, j'ai vite ouais, fait, fait du client, mais c'est un peu mou. T'arrives à caler des rendez-vous de temps en temps, c'est sympa. Putain, oui, c'est vrai que bon, j'ai une caisse dedans, il faut que je la finisse. Il y a des trucs plus importants, je préfère aller vérifier. Oh, t'inquiète, ça c'est quoi, les gears H7? De toute façon, je veux que tu envoies. Non, c'est l'autre, c'est pas la RH7 celle-là. Ah! Yes. Il va falloir que je la check. J'attends juste de voir si mon collègue il arrive là par avec contre, sa. Si je l'ai, on peut monnayer l'info. Hein. De quoi? J'ai pas tout suivi là, les gars, je suis au boulot en même temps. Non, je m'excusais pour Richie de le laisser tout seul au garage. Bon, après il a pris sa voiture. Mais si je trouve son mec, ouais. L'info, on peut la faire monnayer, hein. Non, non, tu sais ce que tu fais si tu le trouves. Du coup de Schloss? Yep. Nickel. Oui, Ayrton, dis-moi. J'ai un petit souci inattendu. Je vais pas arriver tout de suite. Je passe un peu dans le monde à l'envers, tu vois ce que je veux dire. Ah merde. J'étais en train de rouler et puis c'est l'ascenseur émotionnel dans le monde à l'envers quoi. Je remonte, bah, écoute, je descends. Sors de la voiture. C'était juste pour te prévenir de pas m'attendre tout de suite. Ouais mais sors de la voiture et vois. Okay. Sors de la voiture, essaye de voir. Ça devrait aller. Essayez. Ça marche. Tiens-moi au jus, de toute façon tu m'appelles quand t'es au garage. Le pauvre. Allez, let's go, on est parti. Putain, désolé. C'est la course ce soir. Au-dessus, il se passe jamais rien et là, c'est la course. Laquelle, celle-là, du coup? Quelle est la rétro? Ah, c'est la rétro. Et ouais, c'est une native, hein, celle-là. Ouais, ouais, c'est une native. Elle a déjà de la gueule, hein, pour une native. Hein. C'est incroyable. Ouais, j'aime bien. Après,
elle est très légèrement sale. Oui, mais on va mettre un coup de karcher, ça va aller. Il va falloir que je sorte l'autre aussi. Oh, elle ira pas plus vite. Ah si. Et en termes de vitesse, bon, je me doute que à part en ville, elle va pas frôler plus que le 180. Non, elle est pas très très. Ah, ça va, elle glisse pas trop. Bon, je cherche après. Hein. Ça va, ça se tient bien, ça. Hein. Ça se contrôle bien. Ça se contrôle super bien. Oh, je me suis fait peur tout seul, putain. Ouais, ça va, ça passe. Bon, je dois mettre 2 secondes. Putain, ça met que mon moteur il est pas réparable, gros. Comment ça, ton moteur il est pas réparable? Bah, mon moteur n'est pas réparable. Quand je veux la faire réparer, ça me dit que c'est pas réparable. Genre, mon moteur il est mort, quoi. C'est pas normal, ça. Vas-y, rentre là. Celle-là elle est prête, j'ai plus qu'à lui coller le moteur dedans. Dans le diagnostic, je suis bien. Mais je sais pas pourquoi, je suis pas réparable. Tiens, elle tourne encore. Oui, le moteur quand même parce que. Je pourrais pas brancher une balise avec un moteur qui tourne. Ah bah ouais. Après, ça reste une voiture plus type rallye. Faut pas que le gain soit trop énorme. Après, Mais ouais. Tu comptes en faire quoi, toi, de celle-là? En vrai, c'est pour tous les jours. Hein. Pour tous les jours? Le but, c'est pas non plus de mettre un truc trop trop énervé. Ok. V6, V8, ça passe. Ouais. Ouais, après, à toi de voir si c'est pour le confort, en vrai. Si c'est juste pour le confort et qu'elle soit un peu plus... Qu'elle a un peu plus de peps. Mitch, je te dirais pas trop aller dans le budget haut, tu vois, parce que ça a que dalle. Dans ce cas-là, soit tu colles le plus gros V6, soit tu colles le plus petit V8. Comme ça, tu fais un peu des économies, t'es pas obligé de claquer, tu vois, de la thune. Ouais. Au V6, tu gagnerais un peu plus d'accélération. Le ratio je parle, hein. Quoique non, en vrai le V8 4 litres c'est bien pour ta caisse et le meilleur gain que ce soit d'un côté comme de l'autre en termes de vitesse et de
d'accélération. Ouais. Avec un bon équilibre au niveau du point. Est-ce que tu veux que la voiture reste plus légère, c'est le V6. Ok, moi bon, de toute façon je vais bien voir. Ce serait quoi niveau budget? Alors V6, ça fait du... avec le... Et ça, mais c'est... Alors pour le V6 6 litres c'est 48 300. Et pour l'autre on est à peu près à temps. Et pour le V8 on est à 69 000. Ok, donc 48 ou 69. C'est ça. Attends, il y a un truc, il faut que je regarde. Il y a un direct important là. Merde, il va y avoir un direct. Ouais, ouais. Il est passé direct. Il est passé déjà? Ouais. Ah merde. Putain, je l'ai raté. J'ai pas vu ce que j'étais. Ah, c'est pour Ravière, il s'est fait exécuter. Ah merde! Alors attends. Par un petit groupe en noir donc. Attends. Un groupe de l'ombre. Force. Allo, Eric. Oui, dis-moi, c'est pas Ravière que tu cherchais? Si, pour le casse. Et t'as pas vu le direct? J'ai pas regardé. Pas le casse. Bah, le direct, c'était son exécution. Je viens de l'apprendre à l'instant même. Pas le qui? Je sais pas. Un petit groupe en noir, un groupe de l'ombre, apparemment. Y a pas d'informations sur eux? Non, c'est l'Almanach qui l'ont fait? Je sais pas. Ça a été diffusé par Weasel News, donc. C'était diffusé par le Weasel News? Oui, il y a eu un direct du Weasel News. D'accord, pour moi c'était sur la visée du commissariat, d'accord. Ah ouais, ça pue là pour la dame. Dommage, hein. Je m'en occupe, gracias. Non, apparemment c'était une exécution. D'accord, je m'en occupe. Gracias, ma friend. Désolé pour toi. On nous l'est. Pas de problème, gracias. Et bon courage. Et on va aux Zenios tout de suite. Allez, à tout de suite. Gracias. Voilà, parce qu'il cherchait son gars. Ouais, bon, je suis chez nous, 42, je rentre pas 64. Chez mes Weezer, mais... Ah mais c'est bon, il s'est fait exécuter en direct sur Weasel News. Ouais, je suis toujours... Ah ouais, d'accord. Ravière s'est fait exécuter en direct sur Weasel News, on vient de me le dire, là. En direct sur Weasel News? Bah, ouais, c'était quoi, ça? Ouais, par une équipe de gars tout en noir. Je pense que Weasel News s'est fait kidnapper, a été forcé de faire le direct. Sur la place publique, quoi, au bûcher, le mec. C'est ça. Putain, on a raté ça. Ouf. Jamais les appels. Ouais, désolé, j'aime bien les trucs morbides. Ah, t'inquiète. Ouais, du coup, ouais, c'est 42 ou 69. 48 ou 69, en gros. Ok. Bon, moi j'ai tout réparé sur ma 2000. De toute façon, dès que j'aurai tout pour le faire, parce que la voiture, vu ce qu'elle m'a coûté, on verra, mais. Yes. On dirait ça. Putain, je crois. Hein. On fixe ça. Ayrton. Je reviens à l'autre là, encore un qui manquerait plus de respect. J'ai fait une micro-sieste et tout est revenu à la normale, je sais pas ce qui s'est passé. T'as toujours la voiture? J'ai la voiture et je suis au parking. Au parking? Eh ben vas-y, j'arrive. Comme ça, je te file la carte grise, comme ça, t'as ta première caisse. Merci beaucoup. Vas-y, à de suite. Est-ce que tu veux venir rencontrer avec moi le petit gars? Il est juste là au parking public, tu sais. Ouais. Ah, il vient d'arriver en ville, c'est un mec que je connais. J'ai déjà travaillé avec lui dans une ancienne ville, on était au vignoble ensemble.
Soit il va faire mécano, soit il va faire... Juste à gauche, là. Hein ouais. Soit il va faire mécano, soit il va faire l'Espidi. Donc je vais lui offrir après, sa première pièce. Ça marche pas mal, hein. Franchement, s'il ouais. peut y aller, ce serait bien pour lui, je pense. Et bah écoute, en plus, ils font les portes ouvertes, là. Nickel. Ouais, il s'ouvre pas, celui-là. Des deux côtés, ça s'ouvre pas. T'es obligé de péter la... Ça casse les couilles, d'ailleurs. Un peu, ouais. Ah, une Eleki rétro custom. Très bien. Bonsoir. Ayrton, je te présente Kenzo, le patron du garage de Paletto, donc du Paletto Repair, je crois, maintenant. Ouais, c'est ça. Paletto Mécanique. Enchanté. Paletto Mécanique, autant pour moi. Du coup, Kenzo, je te présente Ayrton, un bon ami à moi. Ouais, du coup, nouvelle arrivée en ville. Ouais, c'est ça. Okay. Attends, vas-y, je vais la rentrer la caisse et je vais transférer la... Je vais transférer la carte grise. Tu devrais reculer ta caisse, la mettre sur la place, parce que si jamais je ressors la voiture et qu'il ressort la voiture une fois que je lui ai donné, ça va foirer le truc. Ok. Yep. Merde, on a dit... C'est toi qui vas devoir la ressortir. D'accord. Bouge pas, moi je te fais juste le transfert de carte grise. 48, hop... Normalement, tu viens de recevoir la carte grise. Ouais. Donc, je te laisse sortir ton véhicule. Et désormais, il est à toi. Et t'as ton petit porte-clé en forme de L après pour verrouiller la voiture. Ouais. Ouais, Vin. Ouais, t'as vu le live? Je l'ai pas vu, mais on vient de m'informer. Mec, c'était une boucherie, hein. Ah oui? Ils l'ont vidé un chargeur dans le corps et tout. Chaud, putain, j'ai raté ça. Bien ah fait... ouais, non, franchement, t'as loupé un truc, hein. Bien fait pour sa gueule. J'ai prévenu son chef, du coup. Bah, je sais, cherchait. Bah en fait j'étais en train de faire une bécane au Preslos là et t'as Carlos qui a appelé Carlos qui les a appelés parce que il voulait savoir où était son gars parce qu'il s'était fait PO. Ouais bah il m'a dit la même. Sauf que il commence à me dire ouais il était sur les docks, il s'est fait enlever sur les docks, vous vous traînez sur les docks, comment tu sais ça frère, j'ai jamais vu tes personnes sur les docks. Ouais. Moi je pense que si Carlos il continue sur ce chemin là il va suivre la même voie que son secondo je pense. Bah y'a de grandes chances ouais. Ça va peut-être calmer les esprits un peu, c'est bien. Ça serait bien, oui. Et au moins, on n'aura pas besoin de se salir les mains. Bon, enfin, je finirai par le faire quand même. Le syndicat qui s'appelait? Le syndicat. Ils se sont revendiqués comme être le syndicat. Ouh, ça pue, ça. Bah ouais. Ça pue sa mère, ça. Avec des... ils étaient équipés avec des fusils d'assaut commando silencieux, tout ça. Donc... Ouh, ça pue le cartel, ça. Cartel, je pense pas, mais grosse organisation, ouais. Très très grosse orga, ouais. Ouais, t'es sûr de ça? Parce que c'est le syndicat, c'est possible que ce soit eux qui tirent un peu toutes les ficelles, tu vois. Ah bah, il s'est bien fait passer pour un mec de l'ombre, tout ça. Ouais, donc c'est eux qui tirent les ficelles. Il y a des propos qui ont été tenus, qui n'étaient pas tolérables, avec des actions qui n'étaient pas acceptables, tout ça. Ouais, ça fait mal. Bon bah écoute, c'est bien. C'est une très bonne nouvelle. Yes. Moi je suis refait. Ça a éclairé ma soirée quand Kenzo m'a dit... En fait, c'est Kenzo, il m'a dit ouais, non, mais c'est Ravière, il s'est fait exécuter en direct par des mecs en noir. Je dis hein? Ouais, incroyable. Et il m'a refait ma soirée. C'était Joseph qui était en train de filmer et tout. Trop bien, au top. Ouais, bon, du coup, je suis au Comico, moi je vais visiter le Comico et puis yes. Après, je sais pas ce que tu fais. Je sais pas encore. Ok, vas-y, on se tient en jus. Ça marche, à toute frérot. Yes. Ouais, désolé, c'était mon grand frère qui m'appelait. Oui, parce qu'Ayrton, t'es pas au courant, mais il se trouve qu'en fait, j'ai retrouvé la mémoire. Et en fait, j'avais déjà eu une vie bien remplie avant qu'on se croise au vignoble et tout ça. Ah, d'accord. Oui, oui. T'avais eu un choc à la tête qui t'avait... Alors, en fait, j'étais numéro 2 d'une organisation criminelle, à l'époque. J'appelais les hooligans. Il y a longtemps, il y avait mon frère, mon grand frère, dans l'organisation. D'accord. Et à un moment, j'en ai eu plein les couilles. Trop de meurtres, trop de sang sur les mains. Ouais, je m'en cache pas, hein, t'inquiète, hein, Kenzo. Y'a rien qui craint, c'est mon passé. Ouais, t'inquiète, on a tous fait des mauvaises choses par le passé. Hein. Ouais, j'avais plein de sang sur les mains, j'avais buté plus d'une quinzaine de personnes et j'ai vrillé. J'ai dit à mon frère, vu qu'on est des... Ouais, je lui ai dit, moi j'avais été élevé par mon père chasseur, tu vois, grand chasseur viking, enfin vraiment traditionnaliste viking, le pur et dur viking de l'époque de l'an 800, tu vois. Alors que mon frère, il avait été élevé par notre mère, tu vois. Ouais. Parce que nos parents divorcés quand j'avais 5 ans et lui 8.
Et du coup, je lui ai dit, ben, tu veux devenir un chasseur, ben, vas-y, viens, on se frite. Putain, pourquoi il me rappelle encore? Oui. Oh, ouais, je te rappelle. Je jamais, envoyez-moi votre numéro comme ça, si jamais je recrute. On passe en Defcon 2, donc pas de conneries. Ok, ça marche. Conneries, pas de conneries, parce que là, ils font ce qu'ils veulent, hein. Tu le dis tout de suite. Ok, ça marche. Ils ont envie de te péter, ils te pètent. Voilà. Et bon, on va rester calme, bien sage. Calme, sage, tranquille. Bon, voilà. Ça marche, merci de l'info. Vas-y. Allez, zoops. Les gars, je veux personne qui fait la moindre connerie, on est en Defcon 2. S'ils veulent nous péter pour parce qu'on a éternué, ils nous pètent parce qu'on a éternué. T'as reçu ou pas? Faut juste que tu répètes parce qu'il y avait deux passements à côté. Je veux que personne fasse de conneries, on est en Defcon 2. Ils peuvent nous péter parce qu'on éternue. Ok. Voir une Elegy rétro custom, ça fait envie quoi. Ouais, après il faut un peu d'argent. Ouais, il faut de la thune. C'est cher, mais c'est la japonaise, c'est bon ça. 70 000 et j'ai mis 40 000 de custom dedans depuis ce matin. Donc. Plus. Ouais, ça tient bien la route ça. Un peu lourd, mais ça envoie. Ouais, bon après j'ai pas que celle-là, mais celle-là je viens de l'avoir, du coup je la sors un peu. Oui, bah je me doute. Oui, du coup, voilà. Du coup, pour reprendre vite fait la petite histoire, j'ai pété mon crâne et j'ai dit à mon frère, c'est simple, tu veux devenir un vrai chasseur, un vrai viking, bah, combat corps à corps, toi et moi. Toi, t'as une hache, t'as ma hache de guerre avec laquelle j'ai tué 15 personnes, moi j'ai mes points. Celui qui gagne, bah, oui. Il tue l'autre. En fait, mon frère m'a mis un coup de hache sur le pec, au niveau du cœur. Ouais. Et mon ancien boss, qui s'appelait Pete, il m'a jeté à la flotte. Tout le monde me croyait mort et je pense que plutôt que de m'achever, il m'a jeté à la flotte. Et en fait, il y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Sauf que ben, j'avais perdu un peu la mémoire, tu vois. D'accord. C'est là que j'ai atterri après où on s'est connu et que j'ai rencontré tout le monde et que j'ai fini de récar et tout le bordel, tu vois. Il me dira, c'est pas comme du coup, t'as chassé le naturel, il revient au galop finalement. T'as... Ah bah, il est revenu plus qu'au galop, ouais, fort. Ouais. Et du coup, ben, en fait, j'ai retrouvé. Et bouger après que les Drekars soient finis, on est parti avec plusieurs membres des Drekars, tu vois, on a bougé un peu chacun de notre côté, moi je suis parti avec Amy. Yo, je te rejoins en Paléto parce que j'ai vu qu'il y a Defcon 2, du coup je vais enlever tout ce qu'il y a sur moi. On a été à Vice City chez Amy. À Defcon 2 oh, ouais, on est en Defcon 2, ouais. Ouais, du coup je vais vous laisser, je vais aller ranger tranquillement tout ce qu'il y a sur moi. ouais, file. Bah, à plus enfanté, Kenzo. Et puis bah, peut-être à plus tard. Hein. Et on en fait... changer de numéro, donc... J'ai mon ami Amy qui vient de Vice City, tu vois, on y a été. Et en fait, elle est passionnée de bagnoles. Ouais. Du coup, en fait, elle m'a fait replonger dans les bagnoles. Déjà, j'aimais beaucoup les Allemandes, mais elle m'a fait replonger dans les bagnoles à gogo. Et en fait, on a passé un mois à Vice City à trafiquer des bagnoles, à faire des trucs. Dinguerie. Pendant que mes deux autres gars qui sont venus avec moi à la base faisaient autre chose. Après, nous, on a rebougé dans les États-Unis, on est parti en Oregon. J'ai croisé des mongrels. Les mongrels, en fait, moi, je les ai connus quand j'étais hooligan. Ils s'appelaient encore les Skulls et des bikers. Ouais. Et en fait, quand j'étais hooligan, j'avais mon frère avec moi et j'avais un petit gars qui s'appelait Tommy. Un petit gars, il est plus âgé que moi, mais c'était mon petit. C'est moi qui lui ai tout donné, qui lui ai tout appris. Enfin bref, longue histoire. Enfin, j'ai pas tout appris, il connaissait des trucs, mais je lui ai donné une voiture, il avait pas de voiture, j'ai donné une voiture, une maison, je lui ai donné une veste de hooligan, j'ai dit maintenant tu bosses pour moi. Et je lui ai apporté tout ce qui lui manquait. Ouais. Parce que c'était le demi-frère d'un bon ami à moi. Et en fait, eux, ils sont devenus les mongrels, les Skulls, des bikers qui étaient les petits des hooligans, en gros, c'était nos petits, tu vois, on les a beaucoup aidés à monter, et ils nous apportaient des clients pour qu'on vende nos armes, bref, ça c'était à l'époque. Hein. Ouais, bah oui. Et en fait, quand ils sont devenus les mongrels, Tommy et Vind, mon frère, ils sont allés, les mongrels. Ils ont quitté les hooligans pour aller chez les mongrels. D'accord. Et en fait, j'ai croisé des nomades mongrels qui étaient en Oregon, et que j'ai connus à l'époque. Notamment deux gars que j'ai connus à l'époque et qui ont entendu Amy dire ouais mais Rurik machin, ils sont venus me voir, Rurik, ils m'ont reconnu, tu vois. Moi je me rappelais pas d'eux. Ça devait faire un choc, ouais. Faut qu'ils te croyaient mort. Bah c'est ça. Et puis eux ils ont fait intervenir un très bon ami à moi. Là, je t'entends plus là, tu me parles. Pardon, plus. Ouais, excuse-moi. Ah oui, ok. Ouais. C'est ça. Et eux ils ont fait intervenir un bon ami à moi qui s'appelle Juan, le médecin qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. C'est un de mes gars, il fait partie de mon équipe. Et c'est mon petit Juan, tu vois. Et Juan, c'était mon meilleur ami, tu vois, chez les hooligans. C'est un ancien hooligan aussi, Juan.
Et en fait, Juan, Amy et moi, on est revenus ici. Et on s'est retrouvés, on avait dit on arrive à l'aéroport tous en même temps. On a pris des vols pour se démerder pour arriver avec deux autres des Dreka que j'ai connus là où on s'est connus. Et du coup, en fait, bah, nous, on est six. J'ai ma petite équipe de six parce que du coup, il y avait des families aussi là où on s'est connus. Et j'ai récupéré un ancien families que Tommy a connu. Et que moi, j'ai très rapidement vu une fois ou deux avant qu'il parte de là où on était. D'accord. Donc en fait, on est six, nous, on est en petite couple de six tranquille, on fait notre petite vie, on casse les couilles à personne. Ah, mais je crois en avoir entendu parler. J'avais un collègue là-bas où, qui avait aidé quelqu'un en rachetant sa flash GT pour qu'il sorte du gang. Et finalement, le gang l'avait rattrapé et j'avais pas eu la suite. Mais c'est peut-être la même personne, je sais pas. Ah, si c'est un japonais, oui. Je t'avoue que je connaissais pas, j'ai juste su que. Qu'il avait aidé quelqu'un, mais pour lui faire un peu de pognon pour qu'il puisse se barrer. J'ai pas eu la suite de l'histoire, je crois. Ah non, mais nous on est. Voilà. Et du coup, nous on s'est installé ici. J'ai retrouvé mon frère, tous mes potes Skulls qui sont désormais les Mongrels. J'ai retrouvé mon petit Tommy. Bon, y a deux Tommy, du coup, il y en a un chez moi et chez les Mongrels. Mais tu verras, t'auras l'occasion de rencontrer les gens, ouais. Ah, y a plein de monde. C'est cool. Et si tu veux, si jamais tu t'intéresses à la LSPD, là ils sont. Porte ouverte, je crois. Du nouveau Comico. Donc il y a toujours moyen de voir s'il y a quelqu'un. Bah après, je vais attendre de voir s'il y a peut-être une place qui se libère. Parce que je sais plus qui m'avait répondu. Bah ça devait être parce que j'avais postulé aux trois trucs qui faisaient de la mécanique. Ouais. On prend ta voiture et viens, on va au garage. J'avais fait LS Custom, je crois que c'est LS Custom qui m'avait répondu qu'il recrutait pas. Le problème, c'est que j'ai un numéro, mais j'ai pas de nom. Ouais, LS Custom, ils doivent pas recruter. En plus, c'est que y a que les patrons qui peuvent te répondre à ça. Donc. D'accord. Et puis, j'avais vu qu'il y avait Paletto Garage ancien, Harmonie quelque chose. C'est ça. Ouais, tu viens de croiser le patron, c'est lui qui t'a présenté. Et puis, je t'avoue que je l'ai même pas. Comme je suis passé au BDP. Le plus proche, le magasin le plus proche à pied, c'est... enfin le garage le plus proche à pied, c'était chez toi. Et j'ai enfin trouvé une supérette pour acheter de la bouffe, putain. J'étais allé voir au LTD et. Ah merci, j'avais racheté un peu de bouffe. Hein. Ça, c'est de la bouffe et de la boisson que tu ne trouveras plus ici parce que. Ouais, mais ça te requinque à balle. Hein. Ouais. Est-ce qu'il faut vraiment avoir de faim avant de manger ou est-ce Alors que... oui, mais je vais t'expliquer un truc bien. Ouais. Il faut que tu fasses ça là. Ouais. Tu as mon post-it. Il faut que tu fasses ça. Et tu peux tout régler, tout mettre où tu veux, tout régler comme tu veux. Pourcentage, pas pourcentage. Ouais, ça va t'aider de ouf. Ah oui, effectivement. Je conseille les pourcentages. Bref, je parle vite fait en chinoiserie, ouais. Mais je conseille les pourcentages. Ça va t'aider de ouf. Je vois. Et après, tu select and draw et tu bouges et tu mets où tu veux. Alors par contre, là, j'ai mis les pourcentages. J'ai un incertain qui marche à l'envers, je suppose. Non. Parce que là, du coup, avec les pourcentages, je suis mort. Ah non, attends, si, j'ai l'endurance, la faim, la soif. Mais j'ai le cœur, je suis à 0%. Merde. Ouais, c'est rien, faudra que tu fasses une petite sieste à tous les coups. Ah oui, ok, je vois. Le cerveau, c'est le stress. Quand tu roules à plus de 220 km/h, tu vas te mettre à stresser, c'est normal, hein, l'adrénaline, c'est logique. Donc tunnel vision, quoi, après, non? Non, juste adrénaline, il faut faire gaffe. J'ai jamais dépassé les gros seuils d'adrénaline, donc voilà. La faim, la soif, bon bah ça descend, hein, logique. Et après, j'ai vu, c'est le GPB. Voilà. Au moins tu. Ok. Ah ouais, c'est mieux comme ça, ouais. C'est pratique, hein. Ouais, n'oublie pas que tu peux les select and draw pour les déplacer où tu veux. Ouais, ok. Ouais. Ouais, c'est stylé de ouf, ça aide. Bon bah merci pour l'info déjà. Bah normal, ma foi. J'irai bien au Comico comme tu dis, mais s'il recharge beaucoup, je risque d'être pris tout de suite et je pourrais peut-être pas faire de mécanique. Je t'avoue que peut-être ça serait peut-être plus facile de commencer par de la mécanique sur cette île que directement aller dans les forces de l'ordre parce que. Pas forcément. Ça peut être complexe, hein, vu comme j'en ai bavé avant. Ouais non, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Vraiment, c'est pas les mêmes. Ils sont pas assez, justement. Ils sont pas beaucoup, donc l'évolution serait beaucoup plus rapide, tu serais beaucoup mieux.
Est-ce que je me demande si je vais pas aller si je vais pas aller bosser un peu à la mine. Je sais pas. C'est de la merde. Bon, je vais passer voir de toute façon. Bon bah je te dois le prix de la blister, hein, y a pas. Tu me dois que dalle. Tu me dois que dalle. Ah si quand même, c'est pas beaucoup, mais les bons comptes sont les bons amis. Hein. Tu me dois que dalle, t'inquiète, c'est un cadeau de bienvenue. C'est juste parce que je suis content de te retrouver. Ah bah c'est vrai que c'est bien d'avoir un visage amical sur cette île. Oui, puis ici... J'essaie de parler aux gens, mais putain, ils t'ignorent, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Ouais, puis ici, peu importe de quel côté de la barrière tu te trouves, on pourra toujours être potes. C'est pas... On oui, sera oui. beaucoup moins bloqués que là où on s'est connus. De toute façon, moi, ça me dérangeait pas. Hein. Ouais, ça... mais moi non plus, dit, mais si ça dérangeait tes patrons. Si même si je suis de l'autre côté de la barrière, moi, du moment que je fais pas... Quand on est ensemble, que je te vois pas faire de l'illégal ou que tu me fais pas faire de l'illégal, je m'en branle. Bah bien sûr, tranquille. Et regarde, je suis patron de garage. C'est mon garage, hein, c'est mon atelier. Hein. C'est là où je change mes petits moteurs, c'est mon atelier, tu vois. Je suis à moitié rangé. Mais pas... Mais c'est vrai que, tu vois, ça c'est le genre de truc... Ça fait du bien. C'est le genre de truc ça va qui fait kiffer, ça. Faire du swap de moteur et tout... C'est une dinguerie, parce que là, j'adore. Je pense que là, dès que je pourrais m'acheter la photo GTX, je t'avoue que je vais soit pour un moteur un peu plus. Ouais, ça coûte cher. Péchu. Ça coûte cher les swaps. Ça coûte cher, oui, mais bon, déjà, quand je pourrais m'acheter une photo GTX, c'est 30 000, donc je suis plus à ça près. Hein. Ouais, alors, photo GTX, dedans, je peux large y coller un V6. Le V6, c'est 38 000. Hein. Ouais. Bon, après, le gros V6, c'est 38 000. 230 chevaux, pas beaucoup plus. Alors, c'est pas en termes de chevaux, moi, que je vais voir. C'est en fait, je prends la voiture, je la teste et je vois ce que je peux foutre dedans. D'accord, ok. Mais si ta photo, je veux qu'elle fasse du 300 km/h, elle fera du 300 km/h, tu vois. Ouais, bon, il n'y a pas forcément besoin. Moi, tu sais, je suis pas. Non, mais tranquille, t'inquiète. Plus parce que je sais que il y avait des moteurs, parce que c'est une voiture à la base qui a fait du rallye en WRC. Oui, c'est pour ça, V6. Dans les années 80-90. Et c'est vrai que ça, elle pouvait avoir des moteurs de 130 chevaux, quoi. Ouais, c'est pour ça que je mets que des V6, pas des V8 dans certaines voitures, tu vois. D'ailleurs, est-ce que t'es chaud? Tu prends ta caisse, tu viens de garer devant l'atelier, et moi je vais préparer la voiture d'un client. Ouais. Vous avez vu, là, les Speedy a publié l'annonce d'EFCON 2, hein, ça pue du cul. Ouais, ça pue vraiment du cul. Par contre, ce qu'on a sur nous, va falloir aller le poser vite fait, oui. De quoi, les couteaux? Ouais, vous avez pas le PPR. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai le PPR, mais vous avez pas le PPR. Ouais, c'est ça. Mettez-les dans... Bah, après, ça va, si vous faites pas de dinguerie, vous êtes au travail, bah les couilles. Hein. Ouais, mais ils peuvent nous contrôler quand ils veulent, en fait. Donc, il suffit qu'on rentre. Ouais, je sais. Qu'ils veulent nous contrôler, bah voilà. Alors, t'as un petit L... Ouais, voilà, nickel. Vas-y, viens, on va passer par là. Oui, bah, ça devrait ça le faire. Pour réparer les voitures ici, on peut acheter des kits pour réparer ou... Ah non, il faut aller soit au LS Custom, soit au Paletto. D'accord. Je sais pas pour combien de temps, ils ont pas dit exactement. Je pense qu'ils vont refaire. C'est quoi, c'est une Supra ça? Le Defcon est levé. Gesteur quoi. C'est une Gesteur, oui. Mais c'est un modèle importé celui-là. Je crois que c'est un modèle. Non, je sais pas. Non, c'est une Gesteur 5, je sais plus si c'est un modèle importé ou pas. La vente, ouais. Ouais, c'est la version Supra de Lille. T'as quelques voitures, ouais. T'as quelques voitures qui sont importées. Genre, moi, la mienne dehors, là, c'est une Schlagen STR, c'est pas une Schlagen GT. Oh, puis alors là, ça, c'est du moteur forgé, tu peux passer à plus de 1000 chevaux là-dedans. Ouais, mais on évite. Ouais, je disais, moi, dehors, la mienne, c'est une Schlagen STR, c'est pas une Schlagen GT, tu vois. Ouais. C'est pas la même chose, c'est importé direct d'Allemagne. C'est une frappe, par contre. Oh, attends, il y a 3 turbos là-dessus, la vache. Oui. Non, il y en a 2. Bah, attends. Là, t'en as un, là, le berlingot. Attends, j'arrive plus à pointer du doigt, qu'est-ce qui se passe? On a 2, là. Ah oui, putain, c'est un turbo, ça. Il y en a 2 à droite. Et à gauche, ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est un triple turbo. Alors après, c'est peut-être le turbo compresseur et après, c'est un biturbo. Je pense que c'est ça, ouais. C'est-à-dire qu'il booste l'air à l'entrée et... Ouais, ça doit être ça. Ouais, tu vois, après, t'as le LS. Le LS, il y a 2 mégas qui travaillent tranquille. Ils sont bien là-bas. Attention, la réparation des véhicules. Alors, tes gars de ton groupe, ouais. Tu veux dire ? Ok. Et, oui, bon... Ça, les répas ou pas ? Non, attention. C'est $350, je crois. Ouais, ok. Ah, trop bien.
Voilà, déjà j'ai mes gars, ils m'ont préparé la caisse pendant des heures là. Elle a passé l'après-midi à être préparée la caisse. Moi j'ai plus qu'à mettre la touche finale. Parce que je l'ai depuis 16 heures la caisse quand même. Hein. Oh là là, elle est magnifique cette bagnole. Et donc là, tu vas lui mettre quoi là? Là, je lui mets un V8 5 litres 4 dedans. Et à la base, elle avait quoi, un V6? À la base, non, même pas. Elle avait son moteur d'origine, mais je pense, ouais, je pense que c'est un bon gros V6 en vrai, mais. Attends, le moteur d'origine là-dessus, ça doit être. Ouais, je regarde même pas, parce qu'en vrai, tu peux pas faire le comparatif avec le continent, tu vois. Ah ouais? Ouais, le comparatif avec le continent, il sert à rien. C'était à une époque au Japon, ils ont commencé à. Au début, ils avaient limité la vitesse. Puis après, ils ont limité les moteurs. Ouais, bah oui. Ils l'avaient limité à 280 chevaux, sauf qu'en fait, facilement, tu pouvais la monter à beaucoup plus. Oui, après, le problème, c'est que. Enfin. Alors, on peut pas. Malheureusement, on peut pas. Tu vois, tu peux pas regarder par rapport au continent, c'est impossible. Du coup. Techniquement, oui, elle a un V6 de base. Mais c'est des V6 plus petits que les miens. Donc c'est un V6, même pas 3 litres. Parce que mon plus petit V6 que je peux mettre, c'est un 3 litres. Ouais, ouais, ok. Genre, tu vois, ma caisse dehors, elle a un V12. Mais elle a un V12. Moi, je peux mettre. J'ai des 4 litres 8. Et non. J'ai des un V12. Moi, je propose 5 litres 8, 5 litres 8 et 6 litres en V12. La caisse. T'as vu, c'est un moteur avant ta caisse ou... La mienne, c'est un moteur devant, ouais. Mais c'est putain, un. Le V12, toi, tu me diras, t'as un capot galon, mais c'est vrai qu'un V12 c'est énorme. Mais j'ai un petit V12, tu vois. Un V12 3 litres. Genre, tu vois, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde, mais bon, il faut quand même 12 soupapes, hein, donc ça fait de la place dans l'endroit. Ouais, mais il va qu'à 220, tu vois. Elle va de 20, de 30 la voiture. C'est pas non plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal. c'est pas mal du tout. Mais c'est pas non plus monstrueux. Hop. Fait régler dessous. Eh ben. Là, tu vois, tu vas monter avec moi. Elle a été préparée tout l'après-midi, la caisse. De base, elle montait à 170. 180, vitesse max. Tu vas voir. Je viens de finir les petits réglages là. Tu peux... Vas-y, viens, tu vas voir, on va aller la tester. Là, t'entends le bruit? Ouais. C'est le bruit du V8, ça. Alors non, les pots qui explosent, c'est parce qu'il a des pots pop and bang. C'est des spécialités d'ici aussi. Il y a des pots. Là, j'ai enlevé le pop. Tu vois, ça fait plus le bruit. Mais ça fait le tout, 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 tout. C'est pas le turbo, c'est les pots. De base, elle va à 170 la caisse. Hein. On a déjà dépassé les 170. On va aller la tester sur autoroute. Voilà. On est déjà presque à 220. Sa caisse faisait du 170-180 grand max. C'est un keuf hein, qui m'a demandé ça. Après, c'est pas parce qu'on est keuf qu'on a pas le droit de se faire plaisir. Hein. Ah bah, ma foi. Mais pour te dire, tu vois le bordel. On sait où sont les radars. Hein. Ah bravo la mentalité. Bah c'est du délit d'initié, mais bon, faut bien, hein. Puis, c'est comme ça qu'on s'entraîne à faire des CP, hein, on va pas se le cacher. Hein. Mais regarde ça. Maîtriser le véhicule à vitesse... Je suis à peine en cinquième. Hein. Ouais. Elle a cette vitesse, elle a c'est une boîte 7 qu'il y a dessus. Hein. Hop, tu vois, tu commences à stresser là, normalement. Tu vas ressentir un petit coup de pression, c'est normal. Et qu'on va... Je t'avoue que ça va, mais c'est peut-être parce que j'ai pas fait ma micro-sieste. Et qu'on va remonter à 2,22,30 là. Bah, je pense que ça doit. Ah oui, ça y est, à partir de 2,30, ouais.
Tes mains, elles valent plus. J'ai l'habitude de la vitesse, mais c'est vrai que... C'est l'adrénaline, ça. Qu'est-ce qui se passe quand on est full stress? Tu n'as jamais testé? Jamais été jusque-là. Mais bon. Parce qu'à mon avis, ça doit passer en mode tunnel vision, quoi. J'arrive pas à la pousser en 7, déjà, alors que d'habitude, elle monte en 7. Et... T'es là, Rurik? Ouais, dis-moi. J'avais un truc à plat, long. Oh, LS, on va déjà lancer... 30, à moins 20% sur réparation, custo et entretien. Après, peut-être que nickel. En changement, moi, changement de moteur, t'es passé sur une boîte de vitesse. Hein. Mais c'est là pendant une heure, là, pour le moment, et on le refera plusieurs fois, une fois dans la semaine. Mais d'avis qu'on pourra pas, surtout. La passer en boîte 7, enfin, mais d'avis qu'on pourra pas la faire accélérer à ce niveau-là. Mais, putain, agréable, hein, t'as vu elle va à 170 à la base, la caisse. Oui. Parce qu'à mon avis, t'as mal, peut-être là. Le... Comment ça s'appelle? Après, on est sur autoroute. T'as changé le moteur, t'as dû changer la boîte, certainement. Donc du coup, on est sur autoroute. Peut-être plus que 6 rapports. En vrai, on est sur autoroute. S'il veut la pousser en 7, il faudra qu'il aille en ville. Et en ville, il va pouvoir taper du 2,70, du 2,80, s'il s'en sort bien. ouais, avec les boss, en fait, les boss et tout, la vitesse. Ce bruit de turbo, on dirait que les turbos sont pétés, quoi. Et pourtant, non. C'est juste parce que c'est un monstre. Eh ben. Je vais aller lui foutre là. Je vais lui dire que sa voiture est prête et qu'il a juste à passer la récup. Nickel. En plus, elle a déjà une custo visuelle là, non? Ouais, je suis pas fan, mais. Tiens, il y a les repas à moins 20% OLS custom. Ah merde, bah qui c'est? Mais mon pare-brise est pété. Ouais, je me demande pas pourquoi. T'as même une. Ah, tu sais pourquoi? La barrière. On a pris la barrière là-bas. Obligé d'éclater la barrière pour rentrer dans le truc. J'ai pas pu péter, moi. Ouais, non, mais c'est parce qu'elle est rentrée sortie du garage. C'est rien. Ah, d'accord. C'est rien. Et ben, de toute façon. Alors attends, il faudrait que je regarde. Est-ce que. J'ai pas l'impression qu'il y a autant de pompes qu'avant. Si, toutes les stations marchent. Ouais, elles sont pas. Ouais, Elles sont pas toutes indiquées. Après, priorise celles qui sont indiquées, tu vois. Par exemple, même si elle est rouge, celle qui est en dessous là. Ouais. Il y a en. Putain, elle est où? En 177, tu vois, il y a une station. Tu la vois pas, mais il y a une station. Ouais. Juste à côté de l'hôpital. Elle est fonctionnelle. Ah, c'est pareil, l'hôpital il est pas mis. C'est dommage. Ah non, il est. Si, l'hôpital il est là l'étoile. En bas, en 178. Oui, c'est vrai que normalement il y a deux stations là. Juste au-dessus, tu dois avoir une station aussi à Mirror. Ouais. Il y a la supérette. Après, les seules supérettes qui marchent vraiment, c'est le Kofi, celle des Families là, la grosse en vert là, en 134. Ouais. Et celle en violet normalement en 120. Le LTD des Ballas, exactement. Ouais, mais j'y suis allé, j'arrivais pas à rentrer dedans, il devait y avoir personne. Oui, il devait y avoir personne. C'est eux qui l'ouvrent. D'accord. Puis bon, comme j'étais pas loin des Families et des Ballas, je suis pas resté longtemps, je t'avoue. Surtout à pied. Ouais, tu m'étonnes. Mais ouais, bah tiens, je vais aller au garage de Paleto. Attends, on va faire un truc aussi. On va faire un petit truc. Ça, furniture. Bouge pas. Hop. Oui, allô. Ouais, frérot, dis-moi, le bar, il est ouvert ou quoi? Non, là, le bar il est pas ouvert et je suis avec monsieur Joseph Mildred. Là, je l'ai emmené au commissariat. Mais il finit son entretien et après je monte. Vous êtes au comico là? Oui. Vas-y, on va passer. Je vais passer avec un pote à moi. Ok, parce que là on est dans le bureau. Mais la visite elle est finie? Non, on n'est pas en visite là, je t'expliquerai. Non, mais est-ce que la visite est finie ou pas? Mais la visite elle a pas eu lieu dans le sens où ils sont passés en DEFCON, donc je pense qu'ils ont, ils ont mis cours très rapidement à ça. Okay. Je pense que ça sera reporté pour le public. Ok, visite reportée pour le public. Je te rappelle quand je sors là, parce que du coup je suis avec toi. Ouais, et je veux ça pas marche. Te déranger. Monte à Paleto si tu veux, et je t'appelle un peu plus tard. Sur ton GPS, tu regarderas en 10:42, il y a une petite moto, le Biker Garage. Il y a un bar là-bas, il y a un garage et un bar. C'est l'équipe de mon frère, le MC de mon frère, où il y a mon frère, les Mongrels, où il y a mon frère et Tommy que je te disais tout à l'heure.
Et c'est des MC vénères ou des MC ça va? Ah, c'est du MC vénère, mais c'est la famille pour moi. Ouais, mais du coup, on ira boire si un coup. Contre, ils vont me casser les genoux ou... Mais non, que dalle, ils vont te servir à boire, ils vont essayer de te... ils vont te servir à boire et puis c'est tout. On ira boire un verre, c'est tout. Ok, ok. T'inquiète, on ira boire un verre, tranquille. Bon bah écoute, je vais aller à Paletto Mechanics, je vais faire un petit tour. Ouais, et ça puis, marche. Ça marche, ça marche. Je vais réparer ma caisse, je vais en profiter que c'est pas cher. Ouais, vas-y, profite. C'est à moins 20%, c'est déjà pas mal. Puis j'ai l'impression que les voitures, elles consomment moins d'essence ici. Ah, ça, ouais, elles consomment en fonction de comment elles roulent. Hein. Moi, la mienne, elle suce. Hein. Ah, mais ça, c'est parce que c'est la tienne. C'est ça. Si tu fais des trucs dégueulasses avec ta voiture, ça me regarde. Ah bah ça, ouais, c'est clair. À tout à l'heure. Bon, ça marche. À tout à l'heure plus. Ouais, je vais pas le laisser comme ça, je l'aide un peu, ma foi, tout le monde nous a aidé. C'est qui que je voulais appeler? Mélone, Théo. Oui, allô? Et bonsoir. Bonsoir. La voiture est prête, hein. Ok, parfait. Et bah, je vais... vous êtes là jusqu'à quand, à peu près? Voilà, elle est devant, elle est verrouillée devant, donc en vrai, vous pouvez la récupérer quand vous voulez. Ok, après, okay. Si vous voulez que je vienne vous chercher là quelque part, je viens, je vous ramène au garage et voilà, comme ça vous évitez de bouger avec une autre caisse. Non, bah non, bah là, parce que du coup là je suis en service, donc je prendrai ma fin de service après, puis j'irai la chercher, y'a pas de souci. Ça marche, alors je l'ai testé, par curiosité. Ouais. Elle avait une boîte 7, j'ai pas réussi à monter jusqu'en 7 sur l'autoroute, par contre 2,40 sur l'autoroute. Hein. Ah oui. Le 40 ans descendre sur l'autoroute, c'est déjà pas trop mal du tout. Hein. Oh putain, ouais. Mais en ligne droite, en ligne droite, droite 40. Ligne droite, descente, la légère descente. Vous savez, moi, je fais le tour avec vous dans la voiture, je monte, je reprends l'autoroute qui redescend vers Elbourg, là. Oui, oui, oui. Ouais, dans la descente, j'ai tapé jusqu'à 2,40. Sur cette autoroute. Oui, sur cette autoroute-là, en descendant vers Elbourg, dans la descente, j'ai tapé jusqu'à 2,40 avec. Donc ça va. Ok, ça va. Bon, par contre, c'est bizarre par contre qu'elle monte pas en 7ème, mais bon, ça c'est... J'ai pas réussi à passer la 7. Après, elle a tellement plus de patates que je pense que pour passer la 7, il faut vraiment dépasser les 2,40 et vous l'aurez qu'en ville, la 7. Ouais, je pense. Je pense aussi, ouais. Mais c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. C'est pas une obligation de passer la 7. Avant, elle passait la 7 très tôt. Là, par contre, vous allez vous régaler. Hein. C'est un plaisir. Ouais, ouais. Mais je sais même pas si avant, elle passait la 7, d'ailleurs. Je sais pas du tout. Il me semble que oui. Ah ouais? Ouais, il me semble que... Ou alors genre... c'est... Ah non, c'est peut-être... Oh, c'est peut-être là, il est guéré trop que je viens de tester, qui montait en 7. Ah, je ouais, sais plus. Ou peut-être la Italie GTR aussi qu'on avait testé, peut-être ouais, que celle-là... Je monte dans tellement de voitures de fou que... Ouais, bah au pire, je testerai par moi-même. Et puis s'il y a un souci, de toute façon, ouais, je après, rappelle, je regarderai. Hein. La 7, si elle y va pas, c'est qu'elle a pas nécessité, en vrai. Hein. Après, elle a peut-être oui, pas voilà, la 7, ouais, parce que je suis quand même monté à 230... Ouais, je suis quand même monté quasiment au tour à bas, là. Il est quasiment à fond dans les tours, donc peut-être qu'il n'y a pas de 7 sur celle-là et que je me trompe de modèle. Ouais, ça se trouve, elle a même pas... Ça, je sais pas du tout combien elle a de vitesse au max, ça, je sais si ça se trouve, elle a pas de 7, parce que techniquement, elle devrait l'atteindre ouais. quand même. Bah, 2,40, ouais, je pense. Mais bon. Mais c'est un régal, hein. Vous allez vous régaler, c'est un plaisir à conduire. Eh bah, parfait, merci beaucoup. Bah, avec plaisir, c'est normal. Ouais, et puis... Ah oui, il faudra aussi que je vienne pour le Doros. Je verrai dans la soirée, si vous êtes encore là, on verra pour le Doros. Ouais, ça marche. Je verrai... au vu... Enfin, en fonction de l'heure, quoi. Ça marche, pas de soucis. Voilà, voilà. Écoutez, merci. Et bah, puis, je passe au télé à la récupérer. Et à tout à l'heure, alors. Tenez-moi au courant, appelez-moi, parce que je serai pas forcément au garage. Ouais, y'a pas de soucis. Je sais pourquoi il y a le DEFCON 2. Hein. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Pourquoi, du coup? Alors, on a une voiture de flic qui est venue, ils sont les grosses armes, tout ça, et on leur a demandé, enfin, le patron leur a demandé pourquoi le DEFCON 2. Il a dit, il y a un groupe qui s'appelle le syndicat tout en noir, tout ça, avec AK et FAMAS. Ils ont abattu Pravière et ils ont dit, tous ceux qui s'opposeront à nous, ce sera dans le même cas. Et on les abattra au Paris. Ouais, ouais, bah oui, c'est. J'en ai entendu parler d'eux. J'en ai entendu parler après vous avoir dit qu'il y avait eu l'exécution de Gravier. Ah, ouais, d'accord, bah du coup, voilà, c'est pour ça qu'il y a le DEFCON 2. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr, je savais que c'était pour ça, c'était sûr. Frère, au garage avec les grosses armes et tout, ils quadrillent le secteur. Oui. Frère, les gars, ils sont venus, ils ont enlevé un Vagos, ils ont enlevé un mec de Wigelous, ils ont dit tu fermes ta gueule, tu filmes. Ils lui ont vidé un chargeur. Ça, ouais. Apparemment, ils ont vidé un chargeur de calage dans le buffet.
pas, ça lui fera pas de mal à cette merde là. Mon frère m'a dit, ils ont vidé un chargeur de calage dans le buffet, frère. Genre, ils ont vidé tout un chargeur complet, putain, j'aurais aimé voir ça. Bah nickel, oh. Ouais. Ouais, moi aussi. Bon, par contre, je retourne près des flics, donc si t'as pas de nouvelles de moi, c'est normal, oui. Ouais, ouais, tranquille. C'est un chargeur d'AK, il y a beaucoup de balles dans un chargeur d'AK en plus. Une trentaine, je crois. Ah ouais. Ah ouais, le pro, hein. Ah, ça lui fera le huc, c'est bon, mes couilles. De ouf. Je monte sur Paletto, et dès que le Mongrel bar il ouvre, j'irai sûrement boire un verre avec Ayrton. Ah oh, bah y'a des chances qu'on te... Ouais, vous me rejoindrez, ouais, c'est bon. Ouais. Je vais vous faire une caisse à 3000 balles, là. Il avait pas de voiture, rien, il vient d'arriver. Il est en galère. Ouais, bah normal, normal, ça vient fait. Bah, mon frère, il nous a bien filé une caisse à 50 000 full perf. Bon, là, je peux pas lui filer une caisse à 50 000 full perf, mais... Non, mais bon. J'ai pris une petite blista, là. Tu sais, les compacts, là, 3000 balles, là. Ah, ouais, 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 je vois, je vois. Ouais, t'as bien fait, de ouf. Ouais, c'est très bien comme première. Bah, c'est ça. Bon, j'avais pas laissé en galère. Vas-y, je monte à Paletto. Il est parti voir Kenzo, de toute façon. Comme ça, je reste un peu avec lui aussi. Je profite et... Vas-y, on se voit après, de toute façon. Ouais, je pense que d'ici la fin de la promo, là, on va fermer le, on va fermer le garage. Yes. Ouais, donc elle a pas de boîte 7, sa caisse, puisque moi je suis déjà en 7ème. Donc sa caisse n'a pas de boîte 7. Bon, par contre, il faut que je fasse faire une répa encore. Casse les couilles. Ouais, j'avais peur que la caisse n'aille pas en 7, mais en fait j'étais à 240 tours minute. Mais j'étais dans les... Non, c'est que le kilométrage, j'étais à fond kilométrage, j'étais à 240. Elle passait pas la vitesse au-dessus, frère, c'est chaud, tu vois. En vrai, c'est chaud, elle passait pas la vitesse au-dessus, c'est chaud. Je pense qu'elle a pas de boîte 7, sa caisse, parce que moi je suis pas plus que ça. Après, à voir comment je ferai une swap là-dessus. Mais bon, moi je vais être obligé de mettre un V12 dedans. Donc je sais pas si j'achèterai pas les autres caisses avant de swap celle-là, tu vois. Parce qu'en vrai, pour voiture de tous les jours, sans la swap, elle est très bien. Hein. Y a pas besoin de plus. Et tu vas sur le site web de Urbalife. Tu tapes Urbalife sur ton Google. Tu vas dans le site web de Urbalife. Et tu as boutique, tout simplement. Attends, parce que pour l'acheter, c'est pas comme ça que ça marche. Pour acheter une voiture, c'est particulier. Ouais, allô ? Ouais, dis-moi, t'es pas à ton garage ? Ouais, on est vite fait parti au LSPD pour récupérer la prime de la semaine. Ok, non, parce que je sais que Ayrton, il devait monter te voir. Ouais. Et moi, du coup, je me suis dit, bah vas-y, je veux passer voilà, aussi. Voilà, sinon on arrive en 5 minutes, hein, si jamais. Bah vas-y, j'attends là alors. Vas-y, bah à toutes. À toutes. Ouais, allô.
Ouais, je veux galérer à faire le plein. J'ai pas compris tout de suite comment il fallait faire. Ah putain, il faut de l'espèce sur toi. J'en avais, mais... Ouais, c'est un peu chiant. Surtout qu'en fait, au début, j'ai pris un jerrycan, et puis après, j'ai vu qu'on pouvait faire... J'ai rempli un jerrycan, et puis après, j'ai vu qu'on pouvait remplir directement. Donc, Ouais, bah ouais. Je me disais, t'es pas au garage de Paléto, mais ils sont pas là, ils arrivent là. De toute façon, là, je suis en route, là, je passe à côté de... je vais commencer à arriver 48, là. Yes, bah, moi, je suis à Paléto, de toute façon. Bah, à toutes, hein, du coup. Ouais, je suis au garage de Paléto, c'est juste que je t'ai pas vu, je me suis dit, putain, il est parti bien avant moi, il a dû avoir une galère, pas normale. Ouais, c'était un peu galère, ouais. Ouais, bah, la première fois, c'est normal, hein. Et bah ça marche, de toute façon ils vont arriver, Kinzo il va revenir avec son équipe là. Allez, je t'attends sur place, à de suite. Je vais pas essayer de le recruter Ayrton parce que je sais qu'il est son perso aime la LSPD. Et son perso n'aime pas trop les crimis et encore il s'entend bien avec Rurik. Et c'est un bon collègue à Rurik et voilà. Et ça restera civil entre Ayrton et Rurik. Après, s'il aime tant que ça les bagnoles, je vais le tâtonner un petit peu. Je vais dire, putain, t'aimes bien les bagnoles, tu sais, nous on est des pilotes. Hein, tout ce qu'on veut, c'est des pilotes et des amoureux de voitures. Hein. Après, il faut se salir un peu les mains, mais tu sais, si ça t'intéresse. On va voir, je vais essayer de le recruter un peu. Oui. Après, je viens de redéposer Joseph, là, je vais remonter au club du coup. Oui, alors moi je suis vite fait à Paléto. Avec bah, passe hein, au garage de Paléto, si tu veux. Ouais. On ira au truc après. Il y a un collègue à moi qui vient de là où j'étais Dreka. Ouais, encore un. Encore un, mais. T'as ramené toute la clip ou quoi là? Faut que tu m'aides à l'embrouiller pour qu'il rentre chez moi et qu'il lâche la LSPD. Ah. Y a un mec qui aime bien les voitures, mais trop keuf dans l'âme, tu vois. Ok, ouais, super. Ouais. Ils vont avoir besoin d'aide en plus, les keufs. Ouais, non, mais non, je veux pas qu'il aille chez les keufs. Le vent le portera. Ouais, bah il ira là où le vent le portera, exactement, mais bon. Okay, ça avalanche par-ci, avalanche par-là, bim bam boum. Ouais. Bon, vas-y, bon, on se retrouve au club après, du coup. Ouais, tu vas au club en trouvant là-bas. Dans le LSQ. Ouais, bah de toute façon, je reste avec Joseph là ce soir. J'étais avec Joseph là-bas. On a un cadavre dans le LSQ Stub. Par rapport à ce qu'il vient d'avoir. Ah merde. Ouais. Et bah écoute, va lui. Vas-y. Va là-bas et puis dès que tu ouvres le bar, on arrive. Attends, j'arrive. Okay. Bah, viens près de moi, il y a un mec qui l'a attiré, oui. Je sais pas c'est quoi. Aïe aïe aïe. Okay, dis-moi, putain, tu t'y connais bien du coup en bagnole, toi. Tu t'y connais bien, toi, du coup en bagnole. Bah ouais, après, je m'y connais plus en bagnole du continent. Et puis, comme j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de mécanique sur. Avant, sur ce type de modèle, je les connais pas encore bien, mais... T'aimes bien piloter, ou c'est comment? J'ai jamais eu l'occasion de m'entraîner vraiment à piloter. J'ai essayé un peu, comment dire... Au là, niveau sur de... La 60, de 719 ou de 703, à faire des descentes de montagne, mais... À part ça, bon... J'ai jamais l'occasion de tartiner. Après, je me débrouille quoi. Je suis pas mémé qui va à la sup, mais. Et puis je suppose que t'es toujours dans l'optique de pas trop te salir les mains. En tout cas, pas pour l'instant. Non, parce que tu sais, gentil petit groupe. On est six, tu vois. Genre... Après, j'aime bien si les voitures. Transporter hein. Des trucs, je peux la jouer. Je peux la jouer transporteur hein, du moment que je sais ah, pas. Fais que, gaffe, que le moindre truc sale dans ton dossier, c'est moi. Hein. Ah, je sais bien. Mais... Après, je peux utiliser le déni plausible, quoi. C'est-à-dire que si je sais pas ce que je transporte, on m'a menacé, on m'a dit d'aller à un point A, un point B. Bon. écoute-moi bien, si jamais ça t'intéresse. Tu m'appelles. Si jamais tu décides de bifurquer, tu sais que
tu m'appelles, il y a une place chez moi, c'est avec grand plaisir. Et bonsoir, yep. Monsieur. Hey yo, ça va ou quoi? Vous allez bien? Tranquille. Ça va, ça va. Moi j'aurais besoin d'une toute petite répa sur ma merveille là. Il y a deux phares qui ont pété, ça me pète les couilles. Il faudra me la réparer la mienne aussi. On va faire ça. Kenzo, tu fais laquelle? Ah, qui fait la bista? Qui fait la mienne? Elle est ouverte? Non, je suis un connard. Allez, vas-y. Tu sais que je suis en train de me dire s'il faut, je vais même pas la swap. Franchement. J'ai mis turbo. J'ai fait le turbo, j'ai fait. Merde. Oh, mes couilles. Je fais tout ce qu'il y avait à faire dessus en fait. Suspension. Non, pas la suspension, la transmis. Turbo, transmis, frein. Elle fait du 230. Je suis en train de me dire en fait, ça suffit, genre. Bon, la mine, je sais que je vais pas la swap. Hein. Franchement. De toute façon, si tu la swap, c'est 100 000 balles. Donc c'est 115 000. Donc. Ça fait un peu beaucoup quoi. Ouais. Ça fait quand même un peu beaucoup, ouais. On parle en manque d'argent. 2,20, 2,30, c'est déjà bien. Ouais, en vrai, ouais, j'ai tapé entre 2,20, 2,30 avec quand elle est full avec tout ce qui est classique là. Ça suffit. T'as le bras long, Théo, pour arriver à 30 trop d'ici. Ouais, je vais juste regarder ma poche. Je vous demandais, y a aussi le système de renforcement de véhicule ou pas? Non, du tout. Putain, il a fait ton bleu. J'y crois pas, il a fait ton bleu. Ouais, on s'est dit un petit dinoco, tu vois, genre Cars représente. Putain, mais clairement. Voilà. Elle était orange avant, ça. Ouais, bah ouais, mais il en a vu une autre de la même couleur, du coup on a dit on met les deux bleus, tu vois. C'est un peu dinoco. Bah, elle est stylée d'ouf. Ah oui? Bah, t'as mis le même bleu. Ah, je préfère d'ouf, elle est tellement plus classe en bleu. Ouais, ah ouais. C'est bon, t'as envie de repasser ton groupe en bleu? Non, jamais. Non, nous on a nos couleurs, elles sont très bien nos couleurs. Sur bleu, petite barbe bleue. Ouais, alors j'ai déjà eu, mais non. Tu sais, moi je. D'où je viens, on était dans les Drekars, la plupart des membres de mon groupe et moi. Il y en a que deux qui viennent pas des Drekars. On était en bleu foncé. Ouais, sympa. Donc on était toujours en bleu foncé. Une voiture noire avec nacrage bleu foncé, tu vois. Ah, tout le temps. Ça change un peu les voitures bleues là. Ouais, c'est stylé de ouf. J'ai ma Sunrise noire, tout ça, la mienne j'ai mis en bleu aussi. Bah, il faut changer un peu. Ah, j'ai vu quelqu'un de ton groupe avait acheté une alors, ouais, bah, c'est ma numéro 2. T'avais celle-là, 9 non, mais, avant, non, mais alors, tu sais quoi? Je lui achète la Blista. On lui fait la custom esthétique. 10 secondes après qu'on ait fini la custom esthétique, tu postes ton annonce Blista full custom, ah, full pair, prix concesse. Mais j'avais zappé. J'avais complètement zappé. Ça, mais en fait, je suis pas fan du modèle à la base, donc j'ai pas, tu vois. Ah, bah oui. Parce que j'aurais su. Jamais, maintenant tu sais que t'as elle et que t'as la Duke qui est dehors, la noire. Ouais, mais j'aurais su, j'aurais pas offert celle du conseil, j'aurais venu chercher la tienne, tu vois. Pour un de tes prochains, un jour un nouveau dans ton groupe. J'avais su, j'aurais pas venu. Bah oui, non, mais dis-toi, j'offre à ma numéro 2 qui était pas là depuis un moment sa première caisse, j'offre une Blista à Kanjo, tu vois. Et on a une magnifique là qui était toute prête, full perf et tout déjà. C'est-à-dire qu'on a claqué plus de fric. Elle a les anciennes perfs, du coup elle a pas besoin de fap. Bah c'est ça, on a claqué plus de fric dans le fait d'avoir acheté une voiture au concesse alors qu'on aurait pu la prendre prix concesse toute prête déjà. Dégoûté, j'étais dégoûté. J'avais complètement zappé, ça m'était sorti de la tête. Ce sont des choses qui arrivent. Ah bah quand t'as la tête partout, c'est ça. On va aller se boire un coup au mon grill bar après. Là je vais te présenter mon frangin. Ah, sérieux. Juste 2 minutes, je vais être dans ma tête, faut que je m'occupe du chat que j'ai dans la gorge. Ouais, vas-y, tranquille. Aïe. Débat. Je m'attendais pas à le voir ici, Ayrton. J'ai vu son blaze il y a 2-3 jours, il m'avait envoyé une petite annonce job, j'ai dit putain mais non, c'est pas possible, c'est pas lui. Bah si, c'est lui. Et de là d'où on vient, c'est un flic. Vous voulez rentrer les speedy.
Ouais, on a bossé dans un vignoble ensemble, on s'est rencontrés dans un vignoble. Tu sais comment ça fait drôle? Donc tu tapes des barres avec un mec et puis le mec te dit ouais moi je veux être flic et toi tu lui dis ouais moi je veux être criminel. Ah, du coup là pour toi je suppose que le mieux c'est pas qu'il aille en SPI quoi. Ouais il ira où il veut. Ouais. En vrai il ira où il veut. On a su différencier travail oui, et amitié tu vois. On a toujours su. Donc il ira où il veut, il fera ce qu'il veut. Après c'est sûr. Hein. Il peut venir chez nous, voilà, il y a de la place et tout. Mais bon, s'il veut, s'il a son bonheur dans la police, là, il y a les SPD, hein. C'est ce qu'il faut. Bien sûr. C'est pas mal en soi, il manque tellement de monde. Bah ouais, c'est pour ça. Il a pas eu trop de chance là où on était avant, je me dis, là, s'il veut aller à les SPD, ouais. En vrai, il pourra trouver son bonheur et faire sa place, tu vois. Il y a moins de montée vite, ça peut aider, quoi. Bah c'est ça, c'est exactement ça. Et puis pour ceux qui font un peu les choses pas très bien, ça va aussi permettre de les faire, parce qu'en ce moment, je pense que peut-être pas tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. C'est ça. Enfin, je sais pas, je suis pas là-dedans, mais... Non, c'est compliqué, c'est chaud. Ouais. C'est très très chaud. On peut pas faire tout ce qu'on veut, ouais. Elle est belle quand elle est propre. Ah bah, toujours mieux quand c'est propre. Ouais, tu me mettras les deux factures, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, c'est grave. Enfin, il vient d'arriver en ville, toi t'es avec un petit phare. C'est... Ah bah, c'est bien. Pardon. Si je viens de mettre 200 000 dans une voiture, on va se calmer. Ah, c'est une STR après, mais ouais, ça vaut son petit prix quand même. Hein. Et voilà. Eh ben, merci bien. Ouais, je vous dois combien? T'inquiète, c'est offert. Ah, bah merci, c'est gentil. On est arrivé en ville, je vais pas commencer à te... C'est un cadeau de bienvenue. Ouais, quand je suis arrivé, c'était pareil. Hein. Enfin, moi, c'était pire. Moi, je suis arrivé, mon frère, il m'a dit, tiens, enculé, il m'a offert un Sound King. Sound King XL, full perf, il m'a dit, tiens, ce cadeau, il me sert à rien, prends-le. Ok. Bah, super, moi, je suis arrivé en ville, je me suis fait kidnapper. Ah, on n'a pas tous... On n'a pas tous... Ouais, non, bah, alors, moi... Je suis en ville, je me suis fait kidnapper. Bon, mon frère, il savait pas que j'étais là, parce que pour lui, j'étais mort, tu vois. Parce que pour lui, dernier souvenir, il m'avait tué avec un coup de hache au niveau du cœur, donc... Ah ouais. Alors que, bah non, j'étais pas mort, tu vois. Donc, j'arrive, je dis, coucou, c'est moi. Il a voulu qu'on se bastonne pour certifier que c'était moi. On s'est bastonné. Il a compris que c'était moi. Et après, il m'a dit, bah tiens, Sound King XL, c'est cadeau. Comme ça, toi et tes gars, vous pouvez bouger. Ok, merci. Nickel, trop bien. Après, on n'oublie pas qu'il y avait un jag à faire. Ça, il te l'a bien mise. Ouais, alors... Putain, mais tu fais bien de me le rappeler. Je vais pas demander la thune à ce bâtard. Ah bah, il me doit 12 000 balles. Facile. Bah oui, j'ai dû tout faire changer. Oh, ah, vas-y, je vais l'enculer à lui. Ah bah, y'a pas de quoi. Putain, mais 12 000 balles, je vais aller l'enculer maintenant tout de suite, là. Il va ouvrir le bar, je vais l'enculer. Ah ouais, putain, j'avais zappé, putain. Il a fait un petit nouvel achat. Merde, tout à l'heure, on n'a pas acheté de préservatif. Ouais, c'est mon frère, t'inquiète, je vais lui mettre les deux bras dedans et il va kiffer. Entre frères. Histoire 2, quoi. C'est ça. Non, mais attends, j'avais zappé. En plus, il m'avait dit c'est un diag à faire, je paierai, machin. Ouais, mais couille, ouais. Vas-y, c'est un réchou, lui, maintenant. Je vais prendre son fric. Ah bah, vas-y. Hein. Fais-toi kiffer. Hein. Et bah, nickel. Allez, moi, je vous montrerai le bas. On va boire un coup, Ayrton. Ça, je te présente le frangin. Tu vas rencontrer le futur gouverneur aussi. Ah, le futur gouverneur, il est motard, d'accord. Il est pas motard, rien à voir. Il travaille à Wizard News, mais... Ah, d'accord. Disons que c'est lui qui a filmé tout à l'heure ce qui s'est passé, quoi. Donc, je pense qu'il s'est fait enlever par ce fameux syndicat. Ah, le résultat du DEFCON. ouais, voilà. C'est lui qui a filmé ça. Donc, je pense qu'il est pas trop, trop bien. Parce que pour l'instant il est Weasel News, mais il va être gouverneur après. Il n'y a que lui qui se présente. Ouais. On va aller le voir, on va lui remonter un peu le moral. Allez, go. Bon bah merci beaucoup. Et puis, bah, merci les gars. Vous avez mon contact si... Ouais, t'inquiète, bah, je suis un peu avec toi, je te tiens dans le coup. Moi demain je vais commencer à checker. Hein. T'as checké un peu les circuits routes ou pas? Bah vers les docks et à gauche des docks, tu sais genre... Ouais, dis-moi. L'endroit où ça fait un peu des longs hangars sur une ligne droite là. En 38 tout ça là? Attends, je te confirme. Parce que 38, ouais, c'est ça. En gros, 38, 39. Droite, là.
Et en gros, tu peux faire un truc sympa, mais sans spécialement rentrer dedans, vraiment entrer et tout. Ouais, parce que je veux pas te mytho en 39, c'est chez moi. C'est chez nous. Ouais. C'est ça nous appartient. Et ouais, j'ai pas trop envie que tout le monde passe devant. Après, on peut le faire passer par là, mais dans ce cas-là, il faut qu'on soit au courant et que, comme ça, tous les gars de chez moi, ils bloquent tout, tu vois. On sera là. Parce que. Comme je le fais, on est autour, il y a des dépanneuses. Ouais, parce que c'est un peu mon quartier, tu vois, 39. Si tu nous dis que c'est à toi, on va pas venir sans demander. Hein. Ouais, c'est mon quartier, 38-39. J'ai la main mise sur cette zone-là. Juste cette zone-là, tu vois, le reste, je m'en bats les couilles, hein. C'est vraiment 38-39. On verra ce qu'on fait, on verra comment tu montreras le circuit, on ira faire un tour. Et je te dirai comment on peut arranger le truc. Ça tranquille là, j'arrive à faire un petit mais sinon faut rentrer et puis dire Ruri, casse-toi, faut que je te parle. Non mais après j'avoue 38-39 c'est un bon spot. Hein. Et franchement ça fait un peu un 8 genre, ça fait un peu un 8 et après tu peux repartir dans les docks et tout, tu vois. Ouais c'est ça. Après c'est complexe parce que en 12-19 c'est chaud. C'est plus pour du drift, tu vois. Le 12-19 et encore, tu peux faire du slalom, mais c'est plus pour du drift. Mais c'est des circuits en ville, enfin c'est des circuits illégaux, vous parlez là. Enfin, on parle de business légal, oui. On parle de bloquer, business légal quand même, okay. De bloquer les routes avec l'accord de la LSPD, de faire les choses bien. Ah, ça c'est. Ah oui, on parle d'épreuves ouvertes en à tous. En gros, il y a trois épreuves, une de drag, une de rallye et un circuit, et on est en train d'organiser ça tranquillement. Non mais il a peur, ça y est, il sait que je suis numéro 1 d'un groupe, il a peur, ça y est, non t'inquiète. Avalanche, on sait tout différencier. Avalanche, on sait tout mettre dans le bon ordre. D'ailleurs, la prépa que tu m'as fait là. Ouais. Sur la drague, c'est très marrant. Hein. Ah oui. Bah, dis-toi, fin de piste, aéroport, elle monte à 400, mais elle peut pas aller plus vite parce que. La ouais, c'est le problème en fait. Du coup, j'ai trouvé encore une route assez longue pour la tester. C'est sur une des deux dehors, je crois. J'ai collé un V12 6 litres. Ah non, c'est sur la. Oh c'est sur la merveille, le bordel. Sur une Tornado Hot Rod. Ouais, bah c'est celle-là. Ouais. Je lui ai collé un V12 6 litres sur une Tornado Hot Rod. Je sais même pas comment la carrosserie elle tient tellement elle va vite. Vas-y. Hein. Je sais même pas comment la carrosserie elle tient tellement elle va vite. Ouais, elle est costaud, non ? Déjà rien que le coup d'accélérateur. Ouais, attends vraiment pas. Mais il tourne. Ah ouais, non, mais ça tourne up. Tu vas comprendre pourquoi après. Oui, ça a l'air d'être un monstre par contre. Du coup, t'as fait la prépa drag dessus? Y'a tout là, elle est prête pour l'événement. Oh. Déjà, je t'explique, je peux pas accélérer et freiner en même temps parce que sinon elle se retourne, je vais te montrer. Wesh, wesh, wesh. Donc, déjà, ok. Maintenant, on va aller tranquillement au fond et je vais faire le retour. Ça a l'air d'être un monstre. Defcon 2 que je suis pas autorisé d'aller sur la route de base, mais tranquille. Ouais, tranquille. C'est un test. Ouais, je leur dirai, voilà. C'est moi qui préparais la voiture. Mais déjà, ça se sent, t'accélères pas. Ça se sent. On laisse un peu d'avance à ça. Wesh! 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 Mais c'est pas humain! J'ai vraiment tout petit peu accéléré. Hein. Mais oui, non, mais j'ai vu ça! Enfin, on est allé à plus de 300! Ouais, t'es 320 là, je crois. Mais wesh! Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Après, c'est la prépa drag qui a fait plus gros. Mais... Ouais, non, mais entre le V12 6 litres et la prépa drag. Non mais c'est un monstre. Waouh. Frère, j'ai une érection, elle est dangereuse. L'événement il va bien se passer. C'est quoi, c'est la voiture qui est dangereuse ou c'est ton érection qui est dangereuse? Les deux. Je crois que c'est les deux là. Non mais attends, tu te rends pas compte, il a à peine accéléré, on était à 320. Je vais m'écarter un petit peu du coup. Il a à peine accéléré, on était à 320, la voiture elle peut monter encore parce qu'elle en a large sous le capot. J'ai pris 400. Kenzo fait, c'est hier. Allez, on
Bah, monte si tu veux. Monte avec lui, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi j'ai une érection du feu de Dieu. Ah, c'est de singerie, franchement. Ouais, c'est trop. C'est trop. Je savais que ce serait trop, hein. Ah, mais là, c'est vraiment trop, là. Mais même en marche arrière, frère, il est déjà à 100 km heure, facile. C'est Frankenstein, le bordel. Le mec qui doublait une pilule en marche arrière. Y'a que les lions, normalement, qui font ça. Ah, oh, putain. Tu sais que normalement, y'a que les lions qui vont à cette vitesse en marche arrière. Bah ouais. C'est une dinguerie, là, ce qui s'est opéré sur cette caisse. Darius est un génie. Je te jure, c'est un magicien. Il a transformé le V12 6 litres en V1200 6 litres. Exact. Ah bah ouais, il nous faudrait une piste vraiment plus longue pour voir vraiment la non, V-Max. Mais c'est une dinguerie, hein. Je pense que vous la verrez jamais, la V-Max. Hein. C'est ça le problème, quoi. Ouais, mais des fois, c'est mieux de pas savoir. Ouais, je pense dans que ce cas-là, 400, c'est mieux de pas savoir. Bien. Ouais, 400, c'est bien. On peut s'arrêter à une limite. Je me demande comment il tient la caisse. Ah bah, elle était conçue par les meilleurs. C'est une dinguerie. Et futuriste. La caisse est rétro, mais elle est futuriste en même temps. C'est incroyable. Sûr. Frère, 2,21 gigawatts, tu les atteins vite, là. Hein. On a eu une bonne idée de projet, là. Il faut faire retour vers le futur avec celle-là. Hein. Non, peut-être, en vrai. Je pense qu'on revient trop loin en arrière. Ouais, tu vas voir les dinosaures direct. Il y a pas vraiment moyen pour... Il y a pas de... Il y a pas de... Voilà, tu vas aux dinosaures direct. Non, non, non. On va découvrir des espèces, laisse tomber. Bon, par contre, j'espère qu'il s'est pas planté. Ouais, parce que ça peut vite partir, ça, malheureusement. Ah là, tu te plantes avec ça, c'est cuit. Kenzo, ça va? Une réponse. Kenzo? Oh putain. Ah, non, ah ils sont là. Putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Je te jure, j'étais pas bien. Ah, tu manges un accident avec ça, t'es pas bien, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a refait le même bug ou elle a genre comme si elle avait perdu sa puissance. On regarde ça. Bah après, on atteint vite la limite du moteur aussi, je pense. Hein. Ah, je pense que tu le détruis le moteur, hein, tu l'uses. Il doit morfler, hein. Attends, t'imagines tout ce que tu lui demandes. Lui rentre dans... Pas dedans sale, quoi. Ouais, là, oui. Regarde ce que tu lui fais aussi. Sur mon garage là-bas, là. Ouais, le garage. Vas-y. On appelle un viol légal à ce niveau-là. Ah, t'as pas pu voir la puissance du coup. Non, ouais, bah j'imagine. Non, mais t'as peur. Tu vois, il y a un jet de puissance, t'as peur. Hein. Et le banc, c'est l'anti-lag dessus. Non, c'est les pots. C'est des pots. Il y a des pots, mais je sais plus qui. Je sais pas qui peut les faire maintenant, ces pots-là. Non, c'est juste le desk system qui peut les faire. Ils mettent juste une bougie. Parce que normalement, quand ça fait ce bruit là, c'est un anti-lag. Ouais, non, mais c'est pas le running anti-lag, c'est vraiment en gros, c'est genre. Genre plus d'essence dans le pot, bougie, petit bouton et c'est magique quoi. Ouais, c'est les pots, on appelle ça les pop and bang. C'est le même système, sauf qu'en fait, il utilise juste la chaleur du pot pour. Non, là on appelle ça le pop and bang. C'est vraiment pour faire. C'est pour show off quoi. Ouais, tu gagnes quand même 4, tu gagnes quand même 5-6 km heure. Ouais, donc ça a la même utilité, ok, je vois. Ça permet d'évacuer l'essence dans l'air. Tu gagnes quand même 5-6 km heure en vitesse de pointe avec ça. Hein. Ah mais c'est le LS qui le fait ça? Ouais normalement ouais. Eh bande de bâtards, il paraissait vous mettez les pop and bang, vous m'avez pas dit. Après c'est je pense que c'est peut-être que Darius tu vois. A voir avec lui. Putain le bande de bâtards. Et les bâtards, vous êtes encore là ou c'est comment? Ah mais ils ont été des clients aussi. T'as dit quoi? J'ai dit, hé, bande de bâtards, il paraissait vous mettez les pop and bang, vous m'avez pas dit? Hein? Les pop and quoi? Les pop and bang, les gros pots d'échappement qui font. Ah, bah, je savais même pas, tiens. Pop, 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 bang, bang. Mais là, on est sur une opération en train d'arnaquer les familles. Attends. Ok, je vous laisse gérer ça. Rentre là, vite fait. Ah, c'est trop drôle. Vas-y, moi je vais descendre au Mont Grêle. Ouais, bah déjà. Du coup, c'est en. Je te l'ai dit tout à l'heure, je crois. C'est en. 1042.
C'est en 1042, t'as un petit parking en face en 1041, tu te gares là et tu me dis quand t'es là. Yep. Ça, je te paye un coup à boire. Bah, et comme ça, je te présente ce qui me sert de grand frère. Ce qui me sert de grand frère, putain. Ouais, c'est que des mots d'amour, t'inquiète. Et renseigne-toi auprès de Darius. Si vous faites les pop and bang, je les ferai mettre sur la STR. Ok, j'essaie de voir. Je crois, je sais pas s'il est encore là, mais je vais voir. J'essaie de voir avec lui. Parce qu'en vrai, je sais même pas si je vais la swap la STR, tu vois. Parce que 100 000 balles. Mais je me dis mettre les pop and bang pour gagner 5-6 km/h de plus. Ouais, j'avoue, ça peut être pas mal, hein. Après, je la sois prêt, mais beaucoup plus tard. Pour l'instant, je vais acheter les autres caisses dès que j'aurai la thune. Ok, je vais voir. Il y a Darius qui est là, je vais voir avec lui. Merci. Ouais, c'est un monstre, hein. C'est une dinguerie, sa caisse. C'est trop. Et pardon, Thénos, j'ai oublié, oui, pour l'achat d'une caisse PayPal, en gros, toi, tu... Faut que tu le... Enfin, tu regardes dans le catalogue ce que tu veux. Faut faire un ticket voiture sur le Discord. Dire bonjour, c'est pour acheter telle voiture. Tu lui envoies une preuve comme quoi t'as envoyé les sous le virement de PayPal depuis le site. Et une fois qu'il a la preuve où t'as noté la voiture que tu voulais, plus le virement fait, il t'envoie, il te met la voiture en garage public. Je t'expliquerai en HRP, j'expliquerai sur Didier. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais ici, si t'as pas envie de rentrer ta caisse dans un parking public, tu peux la laisser dehors toute la nuit, ça craint que dalle. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Et oh, est-ce ouais. que quand on met un truc dans la bagnole, ça reste quand on la met dans le parking? Bien sûr. Oh putain. Encore une bonne nouvelle. Ah bah oui. Je vais remplir des jerrycans, je vais les mettre dans le coffre et ça va aller faire du street racing en montagne, moi je te le dis. Ah bah il faut, hein. Et bonsoir, mesdemoiselles. Et bonjour. Bonjour. Oui. Bonsoir. Ah, Oliver. Bonsoir, toi. Putain, tranquille. C'est le Joker, là, yes. qui est avec toi, ou quoi? Alors. Ouais. Ayrton. J'ai un fond de Joker, ouais. Je te présente mon frère. Ayrton Fangy. Je te présente mon frère, Vin. D'accord. Et je te présente Oliver, juste à ta droite, avec la casquette. Allez, d'accord. Bonsoir. Oui, dis-moi. Vin et Oliver, ok. Enchanté. Enchanté, oui. Ouais, le barbu, c'est mon frangin, mon grand frère. Votre frère de barbe, quoi. Ah non, non, mon frère de sang. Parce que toi, bon, toi, t'as moins d'honneur parce que du coup, t'es roux, mais. Je t'emmerde, espèce d'enfoiré, moi. La rousseur n'a rien à voir avec l'honneur. Avec l'âme, à la rigueur, je veux bien. Mais ah oui, 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 non, non, c'est vrai, tu n'as pas d'âme. Oui, oui, mais c'est ça. Depuis quand les Vikings ont un concept d'âme? Oh, mais c'est pour les quand tu vas au Valhalla.
C'est pas ton âme qui va, c'est toi. C'est pour les humains classiques que je dis ça. Et pour moi, pas de respect au Valhalla, s'il vous plaît. Parce que sinon, on prend Valhalla dans ta gueule. De quoi? J'ai plus d'infos pour ton pop and bang. Alors? Du coup, nous on a besoin de ressources pour l'affaire qu'on a pas actuellement, mais quasiment. Il manque quoi? Il faut quoi? Du metal scrap, il nous manque. Mais j'en ai, moi, frère, on en a plein. Oui, non, mais oui, je sais, c'est pour ça, t'inquiète, on en a, y'a pas de souci. Et ce serait 5000 balles. Moi, je les ferais faire. Y'a que lui qui les fait ou vous pouvez les faire, vous? Non, y'a que lui qui les fait. Il est là quand? Je reviens. Tout de suite. Combien il en manque? Un. Je vais revérifier, mais normalement, un seul. Ouais. Ouais, ouais. Vas-y, je vais passer, je vais passer lui faire installer ça. Moi, je suis parti. Je suis parti dans les FDO, il est parti dans la criminalité. Ouais, et j'y suis toujours. Et j'étais bien avant qu'on se connaisse. Putain, il faut que j'aille vite au LS Custom faire mon pop and bang maintenant sur la STR. Putain, casse les couilles. Je croyais que tu voulais pas faire ces merdes là. Écoute, je vais les mettre sur la STR parce que je vais pas la swap tout de suite. Parce que le seul swap que je peux faire d'intéressant, il est à 100 000 balles. Donc. Okay. Ah, c'est parce que tu vas trop vite. Et vu qu'elle fait déjà du 2-22-30 en full, je vais juste lui mettre c'est le pop and bang pour que. Tu gagnes 5-6 avec 5-6 km. Ouais, bah ça me fera du bien. Okay. Eh ben, dis-lui que je vais passer. D'ailleurs, tu me dois 12 000 balles, enfoiré. Pas, hein. Quoi? Tu te rappelles le Sun King XL que tu m'as donné? Eh bien, cette fois-ci, c'est. Bah, il était mort. C'est-à-dire que je m'en suis servi une semaine, il était mort. Ah oui. Bah, j'ai dû faire tout changer, les freins étaient morts, tout était mort sauf le moteur. T'es patron, t'es riche toi maintenant? Comment ça, je suis riche? Ça m'a coûté 12 000 balles, bâtard. Mais t'avais besoin de le faire réparer maintenant là? Mais frère, je l'ai fait réparer il y a une semaine et demie déjà. Ah, donc tu me dis ça maintenant alors que c'était il y a une semaine et demie toi? Oui, mais parce que ça m'était sorti de la tête et il y a quelqu'un qui me l'a rappelé. Ouais, Pépito. Est-ce que tu imagines quand même le paradoxe du truc? Je l'ai fait un véhicule à plus de 50 000 dollars. Dis-moi. Tu fais quoi, je suis au bar des Mongrels, mais il faut que je passe au LS Custom. Pour faire mettre des pots sur ma caisse. Et c'est toi qui m'as dit tu paierais, enfoiré, va, et t'as jamais payé. Je paierais, mais là, psychologiquement, j'ai pas fait. Pourquoi je suis là, plus rien de boire à faire. 60 000 balles dans un. Vas-y, monte au Mongrel bar, Pépito, moi je vais vite au LS Custom, je reviens. Il y a un ami à moi avec les cheveux verts, celui qui est passé tout à l'heure avec moi à l'hôpital, là. Ayrton qui est passé avec moi à l'hôpital. J'ai pas encore eu l'occasion de mettre le maquillage, mais ouais, l'esprit est là. Ah ouais, j'en vois ça, c'est t'inquiète. Il y aura ville et tout, donc prenez soin d'Ayrton. Il y a un petit peu la ville et tout ça, c'est cool. Vous pouvez faire ça. Et moi, je vais vite au LS Custom, j'arrive. Tu veux devenir que policier, toi? A tout de suite, papi. A tout de suite, Pépito. J'aimerais bien faire mécano, mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de débouchés en ce moment. Et puis les FDO, ils cherchent du monde. Et Pépito, il va arriver. Énormément de monde en plus. Bon, du coup, mes 12 000 balles alors. Tu peux débarquer ou pas? Ouais, t'inquiète, je te ferai un virement par. Ouais, mais ça, on peut le faire nous-mêmes. Enculé. Ah, lourd. Non, mais là, je peux pas, je te le donne. Non, fallait lui dire par corbeau, il t'aurait cru, merde. Ouais, exactement. Alors, du coup, si on soustrait les 12 000 aux 53 000 de valeur de Sanking, du coup, c'est toi qui me dois de l'argent là. Non, non, vas-y. Et va te faire enculer, toi, espèce de bâtard. La qualité prix n'est pas pareil, du coup, d'accord? Non, non, le Sanking, c'était un cadeau et tu me l'as donné, il était déjà niqué. Donc, tu m'as dit que t'as fumé la connerie. Tu critiques la qualité de mon cadeau, quoi. Bah, c'est toi, tu l'as critiqué tout seul directement, putain, quel bâtard. Ah, c'est beau la famille, hein. Ouais, non, mais je te fais. T'as vu ça, putain? Là, j'ai trop de frais à sortir, mais je te passerai, je m'en fous. Pas pressé dans la minute non plus. Ouais, votre bar, il est vraiment sympa. Ouais, je te laisse là parce que le patron de GLS, il va pas rester longtemps, donc je descends comme un enculé à 230 km/h au LS, faire mettre mes pots et j'arrive. Il y a Pépito qui arrive, je vous laisse Ayrton. Ouais, j'ai entendu. Tu me laisses le petit? Je peux l'emmener dans la salle de torture du coup ou... Non, tu le fais boire un coup, tu. Tu papotes un peu avec lui, tu lui fais faire une partie de billard, une partie de air hockey. Et du coup, tu sais quoi, je suis une babysitter, ça se passe comment là? Bah, je sais pas, il vient d'arriver, j'essaie de lui faire des connaissances. Allez, donc Ayrton, on va mettre le petit bavoir. Putain, et il me casse. Attends, je vais te prendre un petit biberon. Tu le veux lait, tu le veux chaud ou froid le lait? Et je vais te mettre un Baba Yaga Taras, ça va te faire tout drôle. Je veux bien du chaud, oui. Putain, c'est juste, je te laisse mon pote, il vient d'arriver en ville, il connaît rien ni personne, voilà, c'est tout. Je me dépêche et je fais plus vite. Je vais le PO, tu vois, jamais. Shot me down, bang, non, bang. Non, laisse-le, il est trop cool en plus. Babouliné pas content, Babouliné démissionne, t'inquiète, il connaît. Et oui, Babouliné, il va chercher des clubs.
J'arrive, je pars du Mongrel. Ah, t'étais au Mongrel? Ouais, j'étais au Mongrel, je viens de laisser Ayrton avec mon frangin. Il y a Pépito qui monte au Mongrel aussi. Bah nous on va monter aussi à... après ton truc. Ouais, j'arrive, je pars du Mongrel, je m'invite et... Ça roule. Comme ça, je vais gagner 5-6 km/h aussi sur celle-là, là. Vu que je suis pas près de la swap, c'est parfait. Elle sera vraiment full jusqu'à ce que j'ai 100 000 balles à claquer dedans. Ok. Elle est vraiment bien, par contre, la caisse, hein. Dommage qu'il n'y a que les V12 pour l'améliorer, quoi. Allez. Viens, Rurik. C'est bon. Oh, hop. Et salut, Juan. Ah oui. Là ou quoi, Richie, monte. Bah, tranquille. On va aller voir ça. Ouais, mettez-moi les poux comme il faut et me faites pas de conneries sinon je vous découpe en rondelles. Jamais, tu nous connais. Mettre les poux. C'est quoi? C'est lui, une bombe collante en dessous là. Les poux, des pop and bang. Ah, bon, à mon avis, je sais pas si la rue c'est de l'autre côté. Normalement, oui, il m'attendait exprès. Il attendait exprès, je crois. Ah, par contre, t'as une petite extension de voix, je t'entends de loin. Ah putain, je suis tellement content. Incroyable la caisse. On fait de l'importer celle-là. Aïe. Qu'est-ce qu'ils foutent? Je sais pas, on travaille, je pense. Alors, des fois, je me pose la question quand même. Ouais, ça va, ils font du bon taf. Ouais, ça va, ils sont cool. Ouais, bon, c'est bien, ça va. Ouais, s'ils sont pas corrects, faut me le dire. Hein. Bon, t'inquiète, ils sont pas corrects, je vais le dire. Après, ils sont motivés. Hein. Ils étaient motivés à bosser là, ils gardent la motive et tout, ça va, je suis content. Oui. Ils ont bien tourné la boîte, moi j'ai rien à dire, donc ça me permet de marcher en pied pour que tu bosses.
mieux. Tant mieux, tant mieux. Non, je reviens, j'ai un truc à faire. Vas-y, vas-y. Ah, après, j'essaye d'équilibrer entre illégal et légal pour ça, justement. Parce qu'il faut que le garage y tourne, il faut que le travail soit fait quand même. Du coup, j'essaie d'équilibrer entre les deux. C'est bien parce que j'arrive à leur faire garder un bon équilibre. J'arrive à garder un bon équilibre entre les deux, c'est cool. Si Mika est content, ça veut dire que j'arrive à garder un bon équilibre entre les deux et qu'ils arrivent à faire autant de travail légal que illégal. Donc c'est bien. C'est cool. Il faut bouger cette caisse là. Non, non, lui est là-bas, là-bas, là-bas. Ce pont là-bas au fond. Genre lui là, au fond, quoi. Ouais, mais faut virer l'autre voiture. Ah, mais ça, c'est un bon test, ça, Richie. C'est un bon test, ça. Alors, ça veut dire qu'il faut le mettre de côté là-bas, quoi. Non, mais ça, c'est un bon test. C'est pas un pont. Mmh. C'est pour tester les chevaux qu'elle a la caisse. Mmh. Alors, c'est dans l'atelier au fond, là. Mais David, c'est dans l'atelier au fond, Jean, hein, parce que ça, c'est un bon test pour tester les chevaux de la bagnole. Hein. Ouais, ouais. Attends. Oui, oui. Ça, c'est un bon test. C'est pas pour aller... Ben voilà, ils y sont. Chut, j'y crois pas. T'as gardé du coup. T'as vu le... Quoi? C'est Darius. Ouais. T'as gardé du coup. Ouais, attends, faut que tu vois un truc, viens sur le parking. Sur parking pour des raisons de sécurité, hein, parce que là. Ouais, ouais, bah oui. Et je t'ai branlé dessus encore. Prêt? Vas-y. Qu'est-ce qu'il a branlé encore? Wesh! Qu'est-ce qu'il a branlé encore avec? Mais qu'est-ce que t'as foutu encore dessus? Je m'accroche. Qu'est-ce que t'as foutu dessus encore? Ah bah j'ai un peu touché aux suspensions. Oui, je vois ça, oui. Hey, j'ai essayé la Tornado sur laquelle j'ai mis un V12 6 litres que t'as préparé en drague, tu sais, pour Kenzo. Ouais. Frère, c'est un engin de mort. Wesh. La Tornado, c'est un engin de mort. Hein. On a conscience. Ça, c'est encore pire, ça. Non mais elle monte à 400, il m'a dit, et il a pas réussi à la pousser à fond. Oui, bah c'est une voiture de Draxler, c'est normal. Bon, celle-là, elle est un peu vénère. Elle a fait des stoppies, la voiture. T'as l'impression qu'elle touche même pas le sol. Oh putain, des bas. C'est pas des suspensions qu'il a mis, il a un peu trop touché, je crois. Sa voiture était capable de faire des wheelings alors qu'elle est déjà lancée en vitesse, tu vois. C'est incroyable, par contre. Hein. Imagine ce que j'arrive à régler ce putain de problème de tonneau quand on prend des virages jusque là. Là techniquement je braque, on fait des tonneaux. Ouais bah oui, j'ai bien vu que quand tu t'as tournes ta ceinture un peu... Ouais ouais. Wish 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 wish. Voilà. T'inquiète pas, on a l'arceau de sécurité, on a les baquets et tout. Ouais. Et c'est ça, faut que j'arrive à le... ça faut que j'arrive à le régler ça. Ah ouais non c'est chaud ça par contre. Hein. Ouais. Moi je suis venu faire installer un petit pop and bang sur la STR. Hein. Ouais, j'ai entendu ça. Ouais, comme ça, je pars, elle est au top, tu vois. Wesh. C'est trop, frère. C'est une dinguerie. Bah, il est. Ça va, toi? T'as vu, j'ai une voiture verte, je peux rejoindre les familles. Oui. Oui, parce que du coup, il s'est pas dit. Ah putain, attends, je dis ça avant que tu refasses des toulous parce que putain... Oh, ça va pas, toi? C'est un fou. Elle veut vraiment jouer à ça, l'autre, là? Oh putain, non, 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 non. Oh putain. Arrête, toi. C'est un fatigué. Ah, il est fou. Ah putain, l'incroyable. En vrai,
j'arrive à régler le problème des tonneaux avec la voiture. Elle est c'est parfaite. De dinguerie. Ouais, de ouf. C'est de dinguerie. Attends, je suis sûr que je peux faire des roues en marche arrière. Ah non, je peux pas, c'est pas une 4 roues motrices. Une 4 roues motrices, je peux y arriver. Et tu vas où, toi, avec ma caisse? Je l'essaye pour voir si elle est pop. Entendu, il a dit ouais, j'ai en profité pour prendre la voiture du chef, tout ça. Ouais, oui, c'est, tu m'étonnes. Je l'emmerde et tout, enfin, j'entends des trucs comme ça, moi, après, ça comme ça. Pas pour foutre la merde, hein, évidemment. Ouais, ouais, bien sûr. Jamais dans l'optique de foutre la merde, jamais. Juste parce que c'est la vérité, quoi. Moi, je sais que tu relates les faits. Hein. Ouais, non, mais t'as raison, c'est comme ça qu'il faut faire. Suce bien, relate les faits. Voilà, monsieur. Allez, le moteur il tourne encore, putain. Ouais, bah vas-y, j'arrive pas à l'étendre, t'as le moteur. Bon, là, de. D'allemande de merde. Elle t'emmerde, mon allemande. Et nickel, mon allemande. Et l'autre, il se marre. C'est de la merde. Et très bien, mon allemande. T'es fou, toi. Bon, alors, monsieur. 5K, monsieur. Eh ben, faites-moi la facture. Et Darius, il me fatigue. Il fait des trucs, frère. Il fait quoi? Non, mais t'as pas vu les suspensions qu'il a mis sur sa caisse? Ouais, c'est... Il a trafiqué les suspensions, on a fait des tonneaux et tout, la voiture elle est là, elle fait tout normal, frère. Tu prends un virage, tu te retournes, tu fais 6 tonneaux. 7005, c'est ça? Non, 5000, on a dit. 5K. Ok. C'est bien déjà 5K. Je t'aurais fait ton chiffre à toi cette semaine, un bâtard. De base, c'est 7K5. Voilà, pour vous. Ah, c'est un amour, il est gentil. Alors, bon, il régale. Que je t'explique, tu regarderas sur ton compteur. Ouais, le petit à Pops. À côté, ouais, t'as un petit bouton, c'est marqué Pops. Ouais, c'est pour désactiver, soit je sais. Soit tu le mets, ou soit tu le désactives, ou tu le réactives. Ouais, voilà. Je sais. Mais t'inquiète. Il est bien installé. Nickel. Et c'est moi, c'est moi. Putain, t'as même. On monte au Je prends ma fin de service. Et coucou, mon bébou. On se retrouve au bar, les gars. Ouais. C'est où, quoi, bébou? Hein? Non, j'ai jamais dit. Jamais gars qu'on se retrouve à ton bar. Ah bah écoute, j'ai plein de petites bonnes nouvelles pour toi. Eh ben on se retrouve à ton bar. Eh bah écoute, je t'attends. Tu vas voir mon nouveau bébé. Ça marche. Si Vite veut t'en parler, tu lui dis de fermer sa gueule. De quoi, la mort de Gravier? Non, ça je me doutais que tu le savais déjà. Ah ok. J'ai même mieux que ça. J'ai beaucoup mieux. Parce que il m'a raconté le fait que vous êtes fait PO. Enfin, pas PO, mais engueulé, entre guillemets. Ah oui, c'est-à-dire oui. Quelques minutes après, il m'a appelé, j'étais pas là, donc je l'ai rappelé. Et puis il m'a dit, écoute, j'ai pour éviter tout problème, je te dis, on a PO, enfin, on a parlé avec Avalanche sur nos points. Et ils nous ont pas PO, frère, il était tout seul, on était 4, c'est un fatigué, ouais, non, mes coups de pression, mes grosses couilles, ouais. On était 4 en face de lui et il avait les coups plus grosses que le ventre, mais bref. Ouais, voilà. Donc, grosso modo, moi, il m'a dit ça, j'ai fait, écoute, c'est pas mon problème, hein, c'est leur business, c'est ton business, j'en ai rien à foutre. Ouais, bah ouais. Il essaie de nous monter les uns contre les autres, c'est incroyable. Hein. Au final, il m'a parlé du point le point que j'avais trouvé avec Tommy, et moi j'ai fait semblant de rien, tu vois. Moi j'ai dit ce qu'il m'a dit, ce que Ravier m'avait dit à l'époque, c'est-à-dire, ouais, c'est une légende urbaine, c'est ce que tu m'avais dit. Hein. Le Moncton Sport, c'est leur garage. Garage. Finalement, on l'a, okay. Etc. Ouais. Donc, du coup, pour les autres nouvelles, je crois bien que ça va te rendre heureux ce que je vais te dire, mais bien au club. Ouais, de toute façon, je suis en route là, je suis là dans deux petites minutes. Il y a mon. Or, tu feras gaffe, il y a mon. Attention, ici, il y a un radar derrière le. Il y a mon pote Ayrton qui risque de devenir LSPD après. Donc, ouais, bon, il sait qu'on est des crémis, voilà, il me connaît depuis avant. Il sait très bien que je fais dans la criminalité, tout ça, mais tranquille. Je peux pas le rater, il a des cheveux verts, je l'ai laissé avec Vin. Mais il y a plein de gens en vert, justement, qui viennent d'arriver là. Allez, il y a les verts qui viennent d'arriver? Putain, attends, il faut que je coupe le Pops parce que putain, ça me saoule. Enfoiré, j'avais pas vu que t'étais derrière.
Ouais, j'ai à nouveau joué, tu vas voir. Vas-y, je suis là, je suis sur la petite ligne droite là, je sors le champ du short, j'arrive. Ça va, je me voulais. Ah, de suite. Mais tu vas pas sur ta caisse? Non. Mais wesh, c'est quoi cette arnaque? Ah non, oui, mais. C'est vrai. Elle est full d'origine la mienne. Ah, c'est pour ça. Eh oui! Vous vous traînez les mecs, hein. Eh ben, en même temps, quand j'ai un mec qui est derrière moi qui me fait une queue de poisson, oui, il m'a enculé la bagnole. Eh, viens voir ça. C'est mon poulet. Ça va et tout. Pourtant, je t'ai pas touché. Enfin, de mon point de vue, je t'ai pas touché. Dedans, non, j'ai freiné avant. Ouais, il y a Pépito. Ouais, il m'a dit qu'il montait. Regarde-moi ce bébé. Eh ben, putain. Importé tout droit d'Allemagne. C'est le Gun GTR, ça. STR, ouais. Importé tout droit d'Allemagne. Ouais. Il est belle, hein. Elle est magnifique. J'ai fait full tout ce que je pouvais faire full. Et ciao, hein. Je savais que t'allais rentrer dans le cul du bâtard. C'est beau, ça. Transmis, frein, turbo et les pops. Bonne guerre, on va dire. Comme il y a déjà un V12 d'origine, t'es obligé de mettre le 5 litres 8 ou le 6 litres pour passer au stade au-dessus. Ok. Y a que les V12 que je peux mettre dedans. Le reste, ce serait détruire la caisse. Eh ben putain. Ouais, bon après, ça monte à 2,30, hein. C'est tout. Fou, c'est pas dégueu quand même, hein. Ma taille ça suffit, avec un V6, m'en fait la même vitesse, hein. Quasiment la même. Attends, ben viens, on va parler plus loin, parce que dans le bar, il y a beaucoup de monde. Ouais, ouais. On va parler là-bas. Allez boire un coup, les gars. Il y a mon pote Ayrton, il a des cheveux verts, vous pouvez pas le rater, il doit être avec Vin des Pépito. Alors, j'ai reçu des mails. Ouais. Plusieurs. Okay. Et ils me confirment tous la même chose, c'est que à la suite de la mort de Ravier, que j'ai vu en direct, et ma foi c'était fort délicieux. Le syndicat, je sais pas quoi là, j'en ai entendu parler. Ouais, mais tu rigoles, mais tu sais que premier degré, je pensais que c'était vous, parce que suite à l'intercalation qu'il y avait, puis j'ai vu les armes qu'ils avaient, je me suis dit non, ça peut pas être... Oh, putain, maintenant, ils ont parlé sur Twitter. Éradication totale de la vermine, nous détestons le jaune. Nous entreprendrons cette opération jusqu'à ce que tous les chefs de meute Vagos soient 6 pieds sous terre. Sympa le Deftcon 2 avec un petit cœur. Ouais, mais justement, c'est ça que je voulais te parler. Ouais, écoute... J'ai reçu des mails, ils sont tous barrés. Ils ont tous pris l'avion. Tous les Vagos là? Tous les Vagos. Attends, mais il y avait Carlos il y a pas si longtemps que ça? Ouais, mais j'ai reçu un mail, il m'a dit écoute, je me barre. Incroyable. Non, il s'est barré sec. Donc sur le machin là, parce qu'ils vous ont foutu un coup de pression, bah. Je pense que c'est qu'une question de temps, mais revendiquez-le de suite, hein. Ah bah, libre à nous d'aller faire ce qu'on a à faire. Ah, le revendiquer, je m'en bats les couilles. Par contre, qu'en est le prochain qui essaie de m'interdire de l'utiliser, je le prends. Bah, t'as bien raison. Mais normalement, ils sont tous partis. Inaya, c'est sûr. Carlos, c'est sûr. Ravière, on le reverra plus dans tous les cas. Ah bah, lui... C'est certain. Bah, incroyable. Mais Alejandro... J'ai un petit doute, faut que je vérifie mes sources, mais je crois qu'il est parti aussi. Putain, incroyable, on va pouvoir parler à ce type et voir ce qu'il nous propose comme taf. Sans en abuser, bien entendu. Hein. Moi, du peu que j'en ai vu, honnêtement, pour moi, c'est le receleur de véhicules et Ravier m'a confirmé ça au téléphone. Donc... Oui, non, mais je sais que c'est ça, mais je veux voir combien ça paye, quoi. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas essayé, je t'avoue. Quand on l'a découvert, on était juste en pure balade à la plage. Hein, donc... ouais, il a essayé de me faire bander à me dire ouais, c'est un business, il est super rentable, machin, je veux pas que les prix baissent, tout le monde fait de la merde sur les autres trucs. Le prix des caisses, il a baissé, il nous a dit que c'était à cause de nous, hein, il nous a laissé sous-entendre que c'était à cause de nous. Ouais, bah de toute façon, les mongrels, c'est nous, on sait qui, à cause de qui, le prix baisse.
Frérot, on a mangé trois fois, tu vois. De toute façon, ça, ça sera le vôtre. Nous, nous on n'y va pas dessus, ça nous intéresse pas. Même si ça rapporte une couronnesse en or, m'en branle, c'est pas après, de toute façon, tout ce qu'on doit blanchir, on le fera passer par vous, donc vous prendrez votre part dessus dans tous les cas. Hein. Bah oui, c'est ça, quoi. Nous, on a déjà le blanchiment, on s'arrête à ça. Hein. Quand on va commencer à blanchir de l'oseille, frérot, c'est par vous qu'on va passer. Moi, je compte pas blanchir. Hein. Je m'en bats les couilles de blanchir moi-même. Je préfère faire tourner le business familial. Je vous file le sale, vous me rendez le propre. Merci, au revoir. Vous mangez votre part dessus, ça fait plaisir. Je suis content, je vous aide, vous m'aidez. Bam, bim bam boum, du bon business. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute. Eh oui. Nickel. Ah là, tu me régales. Ah ouais, bah, honnêtement, bah, j'ai reçu des petits emails là comme ça. Bon, il m'a affirmé dans ses emails qu'il y avait 20 personnes qui suivraient. Je pense qu'il parlait des mangrels et des avalanches, mais. Ouais, alors ça, je suis pas sûr. C'est pas dans mes ambitions, et j'ai dit, à mon avis, c'est pas dans celle d'avalanche non plus. Je veux pas m'avancer, mais je ne sais pas. Ouais, je le connais pas plus que ça, moi. Moi, je suis bien ici. Moi non plus. Excuse-moi, mais comparé à toi, mon copain. Et après, ici, on a un business, on a de l'argent, on a des véhicules, on a des maisons. Ouais, oui. Puis moi, c'est pareil, tu vois, on commence à s'installer. Enfin, nous, on commence à s'installer comme des porcs, là. On a une petite rue où on a deux baraques, et puis si on prend ce business là et qu'on fait de la thune, on va en avoir plus que ça, tu vois. On va avoir plus de baraques puisque tout le monde va s'en prendre une à la fin. Ah bah ouais. On va avoir notre petite rue avec nos baraques, on a notre QG, il est magnifique. Il y a des chances qu'on ait des petits business par la suite aussi, tu vois. On gère deux trois petits trucs. Donc j'ai fournisseur qui risque peut-être de me filer, je sais pas, je dis ça comme ça, hein, des bonbonnes de noces et des fausses plaques, tu vois. Toujours intéressant, tu vois, c'est des bons petits business, ça. C'est sûr, c'est sûr. Bah écoute, voilà, moi, je te laisse annoncer la nouvelle à tes gars. Ah merci, tu gères. Ah oui, moins de content, oui. Oui, oui, ça va les faire bander, ça. Ouais, tu gères, moi, je l'ai appris il y a très peu. Hein. Vraiment, je me suis réveillé en 2-3 mouvements. Je vois que j'ai 2-3 emails, je regarde et puis. Oh putain! Oh putain! Oh l'érection! Allez! Oh bah oui! Nous, ça va nous laisser tranquille sur nos business, on n'aura plus de pot de colle derrière notre cul. Donc... Oui, puis peut-être que le mec qui rachète les caisses, il va remonter un peu ses prix. Hein. Hein. Accessoirement aussi. Ce qui nous arrangerait à nous, parce que putain, aujourd'hui, on lui a ramené 500 caisses. Ah, on a sorti 40, ouais, 000, on a sorti 40 000 billets, ça fait mal. Hein. Ouais, j'ai vu ça tout à l'heure, on m'a dit qu'il avait baissé, ouais. Oui, $85 max. Ça, à mon avis, c'est de la faute des jaunes, ça, encore. Ouais, bon, on verra bien. Tu vas voir que quand il va remonter ses prix, le petit vendeur, on va tous être contents. Ouais, bah ouais. L'argent de poche va revenir. Bah ouais, nous, ça nous servait principalement à ça, j'avoue. Hein. Ouais, nous, là, c'était notre plus grosse source de revenus actuelle, mais si l'autre truc nous paye bien, je vais pas te mytho qu'on va faire les deux et on va abuser ni de l'un ni de l'autre, tu vois. Bah oui. Nous, pour le business, niveau coffre de groupe, on est tranquille, tu vois. On a de la thune de côté, c'est pas ça le problème. C'était pour nos poches à nous, on en avait pas, donc on servait des caisses pour ça. Bah nous, ça sert aux deux, tu vois. Ça sert à faire monter notre thune à nous et la thune de la famille. Mais en même temps, on vient d'arriver, on peut pas. Ça fait quoi? Ça fait 17 jours, on est là, on peut pas non plus, tu vois. Ça fait une vingtaine de jours qu'on est là, il faut qu'on se fasse, quoi. Mais bon, on évolue bien. J'ai mon atelier de prépa moteur, et j'en ai deux dans un garage, j'en ai deux à l'hôpital. J'ai Amy, elle est avec moi, donc on est tous répartis, on a tous eu le taf. On peut faire les caisses. On va pouvoir faire deux types de caisses différents maintenant. Ça, c'est beau. On va pouvoir faire les bagnoles et les caisses, du coup. Hop. Ah non, vraiment incroyable. C'est ça. Bah écoute, moi je voulais juste annoncer la nouvelle en personne parce que là ça me faisait frémir et j'avais absolument envie de te la dire. Bah tu me régales, on va aller boire un coup pour fêter ça. Ah voilà. Bah écoute. Ah bah écoute. Oh putain, je vais m'envoyer une bouteille de tic. Oh putain, il y a du monde hein. J'ai jamais vu le parking aussi plein. Ah, j'ai fait venir mon pote Ayrton, il vient d'arriver en ville là, le Joker avec les cheveux verts. Ah ouais, je l'ai vu, il m'a dit ah c'est toi Tommy. Je fais ouais, c'est moi. Ouais, parce que je lui ai raconté vite fait, il me connaissait pas plus que ça, je lui ai raconté vite fait du coup. Et yo mon Pépito. Et ça Pépito. C'est quoi, je te dégaine
Avec des gants blancs là. Qu'est-ce qu'il est tout beau comme ça? Il est beau gosse hein. Et bonsoir. Et rue. Oh putain, il y a vos livres rouges. Ouais, ouais, ouais. Alors, ils sont où les couleurs, Pépito? J'ai eu un chasseur, elle. Je sais pas où il sera. Oh, il y a de la musique. T'as déjà pas mal roulé ta basse, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est bah ça. Voilà, vous avez rencontré Ayrton, incroyable. Eh oui. Ouais. J'ai déjà commencé à vanner un peu. Je devais parler un peu. Donc, le fameux Tommy. Ouais, alors ça, c'est. Tommy Montana. Ça c'est le Tommy des Mondrel, bah c'est pas mon Tommy à moi celui-là. D'accord. Enfin c'est mon Tommy mais c'est pas mon Tommy, c'est celui justement qui était hooligan avec moi. Celui-là c'est mon Tommy, il y en a beaucoup comme ça mais celui-là viens, c'est le mien. Pépito, ouais, viens avec nous, te mets pas derrière. Regarde, j'ai encore monté des hooligans. Oui j'avoue, j'avoue. Franchement la chanson là va falloir revoir ça, le chant c'est pas votre délire. Ça c'était Ségou ça à l'époque. Oui. C'est la question, c'est pas présenté le monsieur avec les gants de Mickey. C'est Juan Gonzalez. Et qui est Pépito. Un méga. Pépito. Ouais c'est un méga. Mika t'as eu Juan t'as eu à boire. Et bah enchanté Pépito ah ouais. Nicolas Somme. De quoi? Ouais moi non plus. C'est un connard de toute façon je le connais pas. Ouais, il a des petits. J'aime bien ce Nakoda. C'est quoi ton petit numéro préféré à toi, dis-moi? Je sais pas, réfléchis. Je dirais 42. 39. Non, c'est 61. Ça se voit, hier, il a 61, lui. Tu comptes le nombre de poils de sa barbe, c'est le même. Oui, oui, oui. Il a 61 poils de couilles, je viens de compter. Juan, tu chuchotes ou quoi, là? Non. Ah mais ça serait bien d'arrêter de chuchoter parce que nous on chuchote pas, tu vois, on est pas des balles. Juanito là. Ah putain, y'a que Amy du coup et Montomia, moi, que t'as pas vu. Elle est pas là, ouais. J'ai pas eu de news aujourd'hui. Je me doute qu'elle est pas là, je la vois pas. Mais... Ouais. Elle est bien à la tête aussi. Et là c'est mieux. Ah oui. Ah ouais, là c'est mieux, ouais. Là c'est mieux, ouais. Là c'est mieux, Juan, ouais. C'est mieux, ouais. Ça me manque aussi, ouais. Non mais ça c'est la résonance du bar qui fait ça. En plus, en vrai, tu serais pas en face de moi, j'aurais l'impression que t'es en train de chier dans tes chiottes. Ah bah bonsoir. Ah ouais. Ah bah alors dites-moi, vous êtes allé récupérer la voiture ou pas? Ah oui. Oui. Alors, un régal? Ah incroyable. Alors du coup elle a pas de boîte 7, elle a une boîte 6. Ok, ouais, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça, parce que moi la mienne elle a une boîte 7 et elle traîne. Vous allez bien? Et on m'a dit que tu voulais faire un diag de ta week-end. Ouais, mais... Attends, déjà, il doit m'acheter ma voiture. Alors, oui, on va faire les choses dans l'ordre, s'il te plaît. Je fais du business, après on répare la moto. Il raconte encore comme connerie, lui. Tout pour lui pomper de la thune, lui. Attends qu'il peut pomper, mon frère. Tant qu'il peut pomper, mon frère, tu sais, il pompe. Et moi, s'il faut, je vends le bagnole. Je me pose la question. Là, c'est de la thune, ça peut être... Moi aussi, je vends une voiture. Mais vends ton cul pour bien commencer, toi, bâtard. Ah, ça c'est ta mère. Ah, pardon. Fils de pute, va. Oh, arrête, tu vas un peu trop loin. Arrête, je vois rouge. Oh, les bâtards. Là, moi, je vois vert, fils de pute. On s'en fout, on sait pas ce que ça veut dire. Ah, putain, mais regarde ta veste, enculé. Ah, putain, regarde ton cul, bâtard. Ah merde. T'as l'air dans le SQ. Ah ouais, tu vas rouge. On change de musique si tu veux. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Ah, c'était Bagdad, ouais. Ouais, de ouf. Il a dit je voyais rouge pour la musique, il a dit. Oh putain. Ils vont nous énerver, le Juan, là. Ouais, il en faut pour l'énerver, oui. Ouais, non. Allez, santé, les amis. Hein. À la vôtre. Mais du coup, mon frère, il m'a même pas proposé à boire ce bâtard. Et t'as vu, il se barre vendre sa bagnole, il y a plus personne au bar, hein, cet enculé. Ouais, non, mais. J'ai pas la peau du cul, ce bâtard. Voilà, fais donc ça, Tommy. Ouais, enfin, c'est sa daronne, c'est ma daronne. Ah, je vois rouge, arrêtez ça tout de suite. Attends que tu vois pas en vert, ça va, oui. Si, je vois ses cheveux. Ouais, alors attends. Ah, moi, je vois orange, hein, perso, quand je regarde Jean, je vois orange. Hein. Je peux toucher ta barbe. Non. Et tu vois quelle couleur, là? Allez! Et moi, vous voyez quoi? toi, je vois. Toi, c'est juste un truc luisant. Ouais, voilà. Bon, bah, juste une piste d'atterrissage pour mouche. Ah, bah là, tu peux mettre un hélico dessus, hein, c'est sûr. Voilà. Voilà. Et casse pas les portes quand tu rentres, je l'entends claquer dans le mur. Ce que je veux, c'est mon bar. Ah non, déjà, c'est pas le plus. À boire! Bah, si. Garçon, à boire! Serveur, à boire! Tu veux ma carte de patron? À boire, j'ai dit!
Alors, va voir le mec là-bas, il va te montrer une belle carte. Je pense que ça t'irait bien. Ouais. Regarde-le, regarde-le. Quoi ? Hop, regarde. Périple à pétis. Oula, oula, c'est quoi cette carte ? Non, relis mieux, relis mieux. Comment tu fais pour la carte ? Corep. Coto. Ah, putain, je sais. Ah, ils ont pris un abonnement. Quoi, t'as une mention très bien, non ? C'est quoi ? C'est des études. Ah, plus que bien. Ouais, vous pouvez me remettre. Serre-moi à boire, toi. J'ai pas réussi à voir. Oui, vas-y, ça va. Ouais, mais comment ? Oui, ça va, j'arrive. Putain, tu laisses tes clients pas boire là ? C'est qui ? Non, pardon. T'es bonne cascade quand même. Hein. Ah, t'es bonne. Hein. Tu veux quoi ? T'es qui là ? Combien ? Allez, ouais, mets-moi 3 bouteilles de tech. C'est très bonne artiste. 3 bouteilles ? Ouais, bah elle a fait une musique. Disparue. Ouais. Bah non, en fait, elle en a fait d'autres, mais on a pas entendu quoi. Elle bah a... ouais, c'est avec ça, un truc. Fait clairement 4. Il fait rien. Après, avec une musique, tu regardes son compte en banque, je pense qu'elle a pas besoin d'autres musiques. J'avoue, par contre. C'est bizarre, ça. C'était une belle chieur. Oh, bah, je suis déchiré. C'est le breakdance. Puis avant, j'ai envie de faire celui-là. Lequel ? Le breakdance. Celle-là aussi, hein. Tiens. Eh bah, c'est en dessous de Dance Wave, là. Wave, je sais pas quoi, là. C'est nickel. Merci, frérot. Bonne défonce. Oui, merci. Attends, parce qu'elle est en train d'être nickel. Voilà, j'ai mis 3 petites bouteilles de tech, là. C'est un pour fou, là-bas. Ah bah apparemment les Familiz ambianceurs les quoi c'est ça. Hip-hop les quoi t'as dit quoi c'est pas les Familiz les verts mais tu fais des raccourcis bizarres toi parce qu'ils ont du vert sur eux que c'est des Familiz hein. Regarde toi t'as les cheveux verts t'es pas un Familiz ouais et moi aussi okay. Peut-être que si ouais fais pas trop évite les raccourcis ouais oui. Parce que c'est ça peut être mal interprété ça peut déclencher des bagarres des trucs comme ça voilà. Ouais, lui, il a un t-shirt d'hamburger et il travaille pas chez McDo, tu vois. Ah, mais eux, ils sont tous en orange et ils sont Avalanche. Oui, parce que nous. Avalanche, c'est un crew de pilote. On parle d'avant. C'est ça. Oh, voilà le plus beau. Ah, bah, il est là. Regarde, il a une chemise rose. Il est chemise rose, c'est parce qu'il est parti en vacances. Il est venu avec une primo. C'est plus une primo. T'es venu avec la primo. J'ai des petits. T'as réussi à la régler ou pas? Il y a trop de barbus, oui. Non. Je voudrais couper la barbe à tout le monde. Il me dit non en plus. Hein. Ah putain, les bars. T'as vu, j'ai pris la S230 en fait. Putain, attends, ouais. J'étais avec qui c'est vous avez pas à boire là. J'étais sur la freeway avec Moi j'ai eu pas de. Ils ont pas de soft. Merde. Moi j'ai essayé avec la Microfile. On a déjà payé une dinos. Elle est loupette là, vous êtes dans un bar de bikers, ils sont pas que d'alcool, ok. Ferme là, je garde le permis. C'est pas parce que tu vas boire un verre que tu vas être. Allez, vas-y, paye ta tourtelle. Mon copain. Fais attention à tes points aussi, c'est des armes à feu. Oui. Paye ta tourtelle. Ah, merci. Pépito, tu veux boire un coup ? Incroyable, ça, on boit pas une bière ou on se fait juger ? Pépito, tu veux boire un coup ? Ah, si, je connais. Ouais, bien de bière. Il reste de marron. Non, moi, j'ai que de la tequila sur moi. Oh, allez, moi je vais déjà aller siester, moi je vous dis une bonne soirée. Pépito, la tequila, j'ai jamais vu ça là. Yes, ça bah, bonne soirée. Salut. Et ouais. Et bisous, mon Tommy, merci d'être passé pour me donner de si bonnes nouvelles. Des zoubes. Et comment ah ouais, non, mais t'inquiète. Le breakdance qui est organisé ou quoi fiesta plus tard. Zou, ah bah, je te garantis qu'on va faire la fiesta, oui. Allez, pas plus toujours. Ah les gars, après on va aller discuter. Mais quoi ? Hein ? Allez. Ah ouais, ouais, ouais. Ça sent le bon ou ça sent pas bon ? Ah, tu vas bander ta race. Allez. Ah, allez, c'est bon ça. Encore plus qu'après un coup de taser. Ah, c'est, oui, oui. C'est deux coups de taser. À pas danser à boum boum. Oh putain. Ah, d'accord, ok. Et voilà, tout le monde a eu de la tech. De taser, des ah, oui, non, mais petite question, il y en a un quand je travaillais à la mine, c'est compliqué ou pas? Non, moi j'en ai la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, mais bon, pour l'instant, j'ai pas de boulot. Ah, putain, oui, il faut que je t'apprenne. Ouais, mais on a pas de bouteille en plus pour lui donner. Si, j'en ai une. On a une en trop? Si, ouais, ouais, il y en a une en trop. Ah, bah donne-lui. Alors attends, je vais aller voir. Mais non, j'en ai donné 6. Donne-lui, on va l'emmener à la plongée. C'est parce que c'est Arthur qui essaie de te niquer tes verres. Ah ouais, mais il a pas de tout terrain, lui, il a une blista. Ah, sympa ça. Ah, il peut aller, ouais, il peut aller plonger au nord à la limite. Mais mec, je t'en ai donné 6. Hein. Ouais. J'ai pas donné la facture. Vas-y, viens, on va dehors avec eux. Mais non, c'est vas-y. Qui a payé. Un Pépito. Ouais, avec nous, Pépito. Avec nous, Pépito. Où ? Ah, je sais pas c'est qui a mis cette musique, mais il a beaucoup de. C'est moi, wesh. Ouais, on va aller en face avec eux.
Par contre, je crois. Clairement ou c'est. Celle-là, t'as rien besoin de faire en fait. D'accord. En gros, tu sens l'alcool, Rurik là. Ouais, t'es guilain. Hein. En gros, quand tu la mets, tu vas plonger et tu verras sur ton manomètre, ça te dit il vous reste tant de secondes avant qu'il n'y ait plus d'air. Oui, sur ton manomètre, il est en haut au milieu de tes lunettes. Et après, il faut remonter pour que ça reprenne de l'air. Et... Voilà, quand il te reste à peu près une minute d'air, ça te le dit. Tu replonges. D'accord. Et puis voilà. Il y a un endroit spécifique pour plonger ou... Alors, oui. Mais le problème, c'est que toi, dans le sud, tu peux pas y aller, t'as pas eu tout terrain. T'as pas le véhicule tout terrain. Je peux pas me garer et y aller à pattes et ça va être compliqué. Compliqué ou alors faut avoir des bonnes jambes. Oui, par contre, il peut aller alors, où non. Je vois sur le GPS, il y a d'accord, plonger airliner. Ouais, bah toi, tu peux aller airliner au nord. Mais le nord, c'est dangereux parce que. C'est très profond, donc il faut pas faire le coup. D'accord. Après la plongée au sud. Du coup, je peux pas faire de plongée du coup. Si au nord. Au nord et non, que au sud, nord, peux au, pas nord y aller. Au nord, tu peux en vrai. Hein. Après au sud, regarde où c'est. Compliqué. Hein. Sinon, tu vas te garer en 450. Vole un petit jet ski. Voilà. Et puis tu vas. Et tu vas aussi de plongée. Ça se fait aussi. En vrai. Ça se fait. Ouais, sauf si je me fais choper quoi. Mais... Non, ils s'en battent les couilles. Des fois, il y en a, ils sont posés, tu peux les prendre. Ils s'en battent les couilles en vrai pour un jet ski. Tu sais, tout à l'heure, j'étais plongé. C'est quoi ton petit numéro? J'ai sauté sur un mec qui avait un jet ski, il m'a rien dit. Alors. Non, ton numéro. 48, aïe. 48. Faut arrêter de demander ça. Hein. Faut réfléchir par soi-même. Ouais, moi je sais pas en état de réfléchir là. Vous faire ça. Ah oui. Et 48. Bon, j'ai une bonne et une très bonne nouvelle. Vas-y, récupérer ce genre de choses. Pépito. Vous avez d'avoir vu le nouveau directeur de TMS. Je vais te péter la gueule. Oh, let's go. Le mec qui monte plus vite que nous. Comment ça, t'es directeur des. Comment ça, t'es directeur des OMS, non? Ouais. Je t'avais dit, Robin a repris l'avion. Quoi? Mais non. Mais. Je vous avais dit que ce serait calé par la place du calé, vous ne croyez pas. Oui, mais j'y croyais pas. Bah, cool, Robin a rejoint Batman, quoi. Robin a repris l'avion, mais pourquoi? Très longue histoire, je pourrais vous expliquer. Putain, moi je voulais être son Batman, non. Alors là, c'est mort, c'était moi son Batman, oui. Regarde-le avec son engin du démon là. Oh, l'engin de mort, putain. Ah bah oui, non, mais alors l'engin de mort qui se retourne à chaque virage, oui. Attends, à la base, c'est pas un véhicule qui est prévu pour faire du off-road, si? Alors, non, à la base, c'est une primo. Oh là là là. Avec ça, tu fais du off-vie, ouais. Mais voilà ce qu'il en a fait de la primo. Mon dieu. Non, mais alors. Ça ne devrait pas être autorisé, ça. Ça c'est Darius. C'est Darius, le génie de la mécanique. Ouais. Il tripote des trucs sur les voitures, frère. Tu sais pas ce qu'il fait. Ouais, mais il le fait. Hein. Là, il a tripoté les suspensions. C'est une dinguerie. Regarde ça. Regarde ça. Il fait même des roues avant avec la voiture. Aïe. Ah, mais il joue avec les cadavres de bagnole, c'est pas possible. Ah, mais cet homme est un génie. Il récupère toutes les voitures et puis après il les transforme, il les remet en état, il les transforme. Cet homme est un génie, tu lui laisses une voiture 5 minutes, tu lui dis ton budget, tu lui laisses une voiture 5 minutes, tu reviens après, ça, ta voiture c'est un monstre. C'est Frankenstein. De ouf. Alors peut-être pas 5 minutes, hein, mais... 5 heures. Bah tu la ramènes en début d'après-midi, tu la récupères le lendemain, quoi. Ah ouais. Et ouais, c'est un génie. Ah, de ouf. Et du coup, Pépito, t'avais une autre nouvelle? Non, c'est tout. Ce soir, t'as déjà assez comme ça, je crois. Ah oui, ouais, non, mais c'est cool ça. Félicitations, Pépito. Mais ça y est, du coup, tu quittes Avalanche, tu nous quittes pour l'hôpital, c'est ça? Je sais pas comment je dois réagir. Faudrait que j'en parle avec les autres instances. Ça va être froid avec vous. Oui, bah, parle-en vite parce que moi, si tu me quittes, je veux le savoir. Ouais, c'est ça. Bonjour, monsieur. Contrôle des papiers, s'il vous plaît. Carte d'ébriété sur la voie publique, c'est interdit. Carte d'ébriété? Alors, moi, j'ai pas une carte d'ébriété, Pourquoi vous êtes dehors là? Il y a une putain d'ambiance à l'intérieur.
Parce qu'on parlait de tout certains trucs et parce qu'on expliquait à ce monsieur comment faire de la plongée. Pour qu'il aille dans le sud faire de la plongée, tu vois, faire au bateau là. Faire de la moula. Non, il faut juste emprunter, il faut emprunter des jet skis. Vend 450 si t'as pas de véhicule off-road, parce que tu peux y aller. Il y a des mecs qui font du jet ski où ils laissent les jet skis, tu prends un jet ski, tu vas au paddle boat et tranquille, tu vois. Ok. Et t'as pas intérêt à nous quitter, Pépito. Ah non, je sais. Regarde, je veux pleurer Richie. Bah pleure pas Richie. T'inquiète pas Richie, il va pas nous quitter. Ah, pas Pépito. Tout pour Richie. T'inquiète pas, il va pas nous quitter. Vas-y Pépito, fais-lui du bouche à bouche. Il va devoir nous quitter Pépito s'il fait si le chef MS ou Pépito, c'est pas obligé. Vas-y. Allez pas Richie, t'inquiète. Ça va bien se passer. Pépito, il va pas nous quitter, il va rester avec nous. On va pas l'emmener faire des trucs. Allez, viens ici, je te prends cuillère. Vas-y, fais-moi une bouche à bouche. On l'emmènera juste pas faire des trucs chauds avec nous, c'est tout. Il va garder son poste et ce sera notre petite. Ce sera notre carte blanche, tu vois. Notre petite pépite. Oh. J'adore. N'empêche, la pépite, merci. Elle est là. Hein. Ah bah oui, il a progressé tous les échelons. Il a pris 3 grades en moins d'une semaine. Merci Pépito. Mec, il a racheté l'hôpital, on il avait. L'appelle monsieur dans le domaine. Ah bah là, tu peux l'appeler monsieur, docteur, ouais. Tu peux. Docteur. Tu peux même lui sucer la teub si tu veux, oui. Ouais. Dans un mois, il est le chef du cartel. Ouais, alors. Alors. Du cartel des hôpitaux, il va revendre des trucs en zoom zoom. Y'a moyen. Ça va être le Pablo Escobar des hôpitaux, quoi. Un trafic de morphine. C'est quoi. Pépito Escobar. Pépito Escobar, la seringue ou le plomb. Il va tuer des gens, il va mettre des coups de seringue là. Non mais en plus il pourra les faire disparaître. Alors hop, il les tue, il les amène au coroner, il les crame et hop, disparition. Aïe aïe aïe. Trop content pour toi mon petit Pépito. Content de ouf. Ouais, j'étais un peu près de court, on va dire. Félicitations en tout cas. Hein. De ouf. Là pour peu, si je vais au Les Speedy, je finis capitaine dans 3 jours. Quoi. Ah, non, ouais, l'ancien capitaine du Les Speedy qui m'invite à boire un verre à la brasserie. J'ai eu toi. De ouf. Oh non, ça sent encore le FDO qui passe à la criminalité. Non, tranquille. Non. Non, mais alors il faut savoir qu'ici, du moment où les gens sont plus en service, ils s'en battent les couilles. Hein. Les keufs, du moment où ils sont plus en service, tu vois. Bah, c'est normal. Genre, ça fait vraiment. Et vraiment, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de machin. Ils savent que chacun fait son papa, truc. À la. Comment? Dans les années 50-60. La journée, chacun faisait ses petites affaires de l'autre côté, puis le soir, avec les bars, l'alcool et les putes, ben les flics et les crimis se recroisaient, quoi. Bah oui, non mais c'est ça. Y'a un mongrel qui est en train de draguer là-bas, non? Ça là, c'est un mongrel. Un mongrel, ça. Attends, je vais vérifier si j'ai verrouillé ma voiture. Ça, j'arrive pas à envoyer une photo que j'ai prise de mon téléphone. Pour l'envoyer à quelqu'un, genre. Waouh, c'est quoi ça, ce modèle? C'est à rien de vous là? De quoi? Lequel? Celle-ci. Celle-là, là? La blanche là? Non, c'est pas nous ça. Nous, c'est gris ou orange. Hein. J'arrive pas à, tu vois, une photo que j'ai déjà prise, l'envoyer. Ouais, je saurais pas te dire. Par contre, on dirait une... pas dans ma galerie, genre. On dirait une RX7 FC3S. Waouh! FC3C, pardon. FC3C. Oh là. Ouais, bah je viens de lire les nouvelles sur le journal, bah c'est pas ouf, hein. Oh. C'est pas ouf, hein. Ah. I can't believe the news today. Ah, il y a eu un direct. L'affaire Rodriguez.
quoi que c'est que t'as vu l'affaire Rodriguez, tu sais? Bah, dans les journaux. Il y avait Louisville News en direct il y a pas longtemps. Non mais c'est un truc qui date de fin avril. My bad. Oh putain, c'est bon, vous avez tous une érection là? Parce que il y a un truc, je peux pas en parler devant toi, mais non, t'inquiète, c'est bon. C'est bon, vous avez tous une érection là, bande de chacal. Alors on est refait là. Et ça a pris l'avion. Apparemment, ça a pris l'avion, hein, direct. Hein. Tous? Ah ouais, ils ont pas cherché à comprendre. Hein. Même la blondasse, bon, ça a fait. Allez. Allez, dehors, retour, Mexique. Allez, easy. Voilà. Avec le crayon va sur la lune, amuse-toi bien, en meurt des Moselles. Enfin ouais, voilà, c'est un peu ça, ouais. T'as dit quoi? Avec le crayon va sur la lune, amuse-toi bien, en meurt des Moselles. Ah oui, d'accord. Voilà. Question préférée, je te transforme en merde. Merde, tout cette oseille. Eh bah, bien sûr. Cette oseille. Ça y est, il en peut plus, il est trop content. Ah, les mecs, je suis. Wesh. Je refais et vous savez pas comment c'est ça quoi, m'a. C'est ça, syndicat. Le syndicat, je pense qu'il est. Alors, le syndicat, ouais. C'est des mecs. Si je te prends le crâne en deux, quel œil va se fermer le premier? Le syndicat, c'est des mecs qui. Comment dirais-je? Sont arrivés il y a pas si longtemps que ça, que t'as pas envie de croiser, que personne n'a envie de froisser ni de croiser, et qui étaient en direct tout à l'heure sur le Weasel News et qui ont éradiqué un vagos en place publique en lui collant un chargeur d'AK dans le buffet. Ils pensaient revendiquer et se sont tous fait flinguer. Ah, je ça va faire, mais ça va que je vais faire de tout cet oseille. Que je vais faire de tous ces deniers. Ah bah là les gars, ça va tellement bien. Libre à nous, hein. Ah bordel. Ah vous êtes des gosses, mais je suis tellement refait les mecs. Quand il m'a dit ça, ouais, j'étais content. Ouf. Content. Ah mais. Et oh, les gars, c'est voilà. Ça sent les vagos en sueur, c'est ça, j'ai bien compris. Ouais, mais il y a tout un petit truc derrière dont je peux pas vraiment malheureusement parler devant toi, mais qui rend tout le monde heureux. Et je peux pas t'impliquer. Si un qui a été exécuté en place publique, ça doit suer du cul, quoi. Et le pouce à pillou. Ouais, voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais. Après voilà. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Un vagos avec un calibre pointé devant la gueule. C'est un gravier. C'est gravier. Oh putain, ben, gravier. Oh ben là, la gravier, il est 6 pieds sous terre. Il a rejoint la terre, lui, direct. Ouais. Incroyable. Le gravier, ouais, il s'est fait enterrer, c'est devenu... Ok, si on fait, on va voir l'ambiance dedans, là. Vas-y, c'est devenu de l'asphalte, le bâtard. Ah, allez. Moi, je suis refait, là. Tu sais que ça m'a refait quand Tommy m'a dit ça. Ah, de ouf. Tommy me dit, bon, bah c'est bon, vous pouvez y aller, hein. Ils sont tous partis. Je dis quoi? Oui, ils sont tous partis. Oh, j'ai dit Tommy, je bande. Ah, de ouf. Ouais, c'est vide, ouais, souvent. Allez. Oh putain. Le mec, une sauce. Y'a pas problème,
Les punitions tombent, ça va faire mal. Les punitions tombent sur le serveur. Mika est énervé, les punitions tombent. Il y en a, ils vont l'avoir. Il y en a, ça va leur faire tout drôle. Mais ça va faire du bien au serveur. Tant pis, on va perdre un peu des joueurs dans un premier temps, mais derrière... Au début, on va perdre un peu des joueurs, mais après, ça va faire tellement de bien au serveur, les gars. Vous êtes pas prêts. Le serveur, il va revivre. Normalement, tu peux rester avec nous quand même. Hein. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de me renseigner, t'inquiète. Après, tu connais, hein, tu sais qu'avec toi, j'ai toujours fonctionné de manière à te laisser un peu plus tranquille que les autres. Ouais, ouais, ça sais. Je te demande pas de participer à tout, je t'emmène pas partout, bon. C'est bien si t'es quand même un peu avec nous aussi, quoi. Ouais, ouais, j'aime tout, t'inquiète. Là, c'est juste que j'ai fait une tenue un peu plus de contrat, c'est tout à 4, c'est toujours oh, non, mais oui, non, mais te casse pas la tête là-dessus, je te parle pas de la tenue, je te parle après au global, oh, oui. Même si t'es directeur d'hôpital. On va, oh, ouais, on va quand même avoir besoin du membre d'Avalanche que tu es, tu vois. Ah ouais, mais de toute façon, il a pas été question que je stoppe ça, t'inquiète. Yes. Après, voilà, tu sais que je te laisse plus de liberté que les autres, parce que voilà. Oh, ouais, voilà. Pour moi, tu es hors catégorie.
voilà. Non mais j'espère que Jean il s'est pas endormi là hein. Ah non il est là. J'embarque lequel avec moi là pour aller voir. Oh il y en a un cassé. J'embarque lequel avec moi pour aller voir. Pour aller voir quoi? À ton avis. Allez. Bah peu importe. Allez Richie il est chaud. Tu peux même mettre ton sécu. Yes. Et n'oublie pas que t'as un moins 20% toi sur la couche de ta bécane. Ouais ouais ça c'est vrai. Nous on va voir un truc Pépito. On va voir un petit truc. Ouais. On nous file. Yes. Les zoobs frérot. C'est triste hein. Allez la bise. Et bonne fin de soirée l'hiver. Ouais merci à plus. Bah ouais mais bon tu sais en général quand tu te retrouves. Bah écoute du coup, je vais vous laisser au final. Oui. Pense à regarder si tu veux je t'enverrai l'intra de Dynasty 8 ouais. Pour que tu puisses regarder ou louer une maison, une petite maison et tout, c'est pas trop cher. Ouais, ok. Il est pas là Pépito on hein. Peut louer, on n'est pas obligé d'acheter. Non, ouais tu peux louer et en plus tu loues la semaine, c'est pas super cher, c'est selon l'intérieur que tu choisis. T'enverrai le Dynasty 8, comme ça tu pourras voir et en fait faut prendre rendez-vous sur leur intra et après le mec te rappelle. D'accord, ok. Merci bien. Ouais comme ça tu dors pas 10 ans à la rue non plus quoi. Et vraiment on va voir le LSPD. Je pense que ça pourra. Okay, ça si t'arrives pas à avoir une débouchée dans un garage, va vite au LSPD, traîne pas, ça te pourra du mieux. Ouais ouais, ok. Comme ça. Yep. Bonne nuit et puis bah merci hein. Bah avec plaisir mec, c'est normal. A plus. On passe à la maison, tu poses ta voiture et on part avec la mienne. Allez. Plus rapide la mienne pour se barrer en cas de. Juste bref vers moi quand vous partez, comme ça je vais regarder pour me poster. Yes, bah là on va passer déposer la caisse de Richie à la maison. Yes, moi je vais me planquer, je vais planquer ma bagnole et s'il y a quelqu'un qui arrive, je vous le signale, comme ça vous avez le temps de dégainer ce qu'il faut. Yes. Je suis même pas sûr que t'arrives à me prendre la speed tellement je vais vite. Ouais, alors moi je suis déjà parti. Non mais je parle à Richie. Ah. Je prends tellement de patates qu'il arrive, il peut pas me prendre la speed. Un virage, moi, c'est la merde, hein. Mais alors. Pour moi, là. Alors en plus, le pot, ah, il lui a fait. Le pot, il lui a fait du bien. Mais tu m'étonnes. Ah oui, par contre, je suis refait de ouf. Hein. Quand Tommy m'a dit, viens, faut que je te parle, je vais avec lui. Commence à me parler du syndicat, de gravier, tout ça. Il me dit, j'ai reçu des petits mails de Carlos. Il me dit, ils vont prendre l'avion. T'es sérieux? Il me dit, ouais. Go. J'ai dit, mais je l'avais au téléphone il y a une heure. Il me dit, non, ils ont tous pris l'avion. J'étais pas sérieux. Il me dit, bah, si, ils sont Robin, tous partis. Elle était pas avec, Non, Robin, elle était pas avec un Vagos. Hein. C'est Inaya qui était avec un Vagos. C'est celle qui était avec Pépito hier soir. Ouais, ouais, je sais, Robin, je sais, c'est laquelle, oui. Non, mais hier soir avec Pépito, c'était Inaya. Au truc de baston, changé... Ouais, mais bah, elle a dû changer de couleur de cheveux. Hein. Oui, non, mais c'était Inaya, c'était pas Robin hier soir. Ok. C'est pas la même. Et là, c'est Inaya, elle est partie. Carlos, il est parti. Ben, let's go. Et apparemment, tous les jaunes, ils sont partis. Donc là, on va au moins essayer d'en faire une viteuf. Juste une. On en fait une seule ce soir, juste pour tester. Et comme ça, moi, après, j'irai me péter parce que je suis éclaté. Ouais, ça marche. Donc les caisses, on va laisser le revendeur faire remonter un petit peu ses prix. Je pense que les prix vont pas tarder à remonter, on verra. Oui,
je pense aussi, on va voir comment que ça se passe dans les prochains jours. Et les bagnoles, on va pas en abuser non plus. On fixe, il faut qu'on en fasse une pour savoir combien ça nous donne à peu près, et on se fixera une limite par jour. Exactement, comme les caisses. Exactement. Sauf que là, si on le revendique et que c'est à nous, c'est à nous. Ah, crois-moi que si on le revendique, je vais dormir là-haut. Hein. Par contre, voilà, on imposera des limites. Nous, on va s'imposer une limite en tout cas. Bon, j'ai planqué la voiture au même endroit que la dernière fois, Richie. Ok. Moi, je suis à la maison, là, je pose le couteau que j'ai sur WAM et voilà. Devant chez Watt. Si le mec est ok, on en fait vite fait une. On teste ça. Sinon, on testera demain. Je veux juste au moins avoir une idée du prix. Ça marche. Et prêt à vivre une expérience sensationnelle. Allez. De là où je suis, je vois quasiment toutes les rues. On décolle du quartier. Ça marche. Et enfin, on décolle vraiment du quartier. Enfin, genre, on est là, on est actuellement dans les airs. Hein. Il marche. Hein. Ah, elle envoie. Hein. Putain. Quand vous arrivez, regardez sur les toits et vous me dites si vous me voyez. Putain, c'est vrai. Ça va être décoiffé. J'ai oublié un truc. T'as oublié quoi? Defcon 2, les gars. Ah, yes. Au pire, passe tout ce que t'as et... Et voilà, tu vas tranquille, en fait. Non mais c'est surtout que si je fais péta à voler une bagnole en Defcon 2, ça peut puer la merde fort, tu vois. Bah, c'est un vol de véhicule, hein, rien de plus. Hein. Du moment que t'es pas armé, que t'as rien, ils vont pas t'amender plus que ça. De toute façon, il faut bien qu'on prenne un peu des risques. On essaye juste une fois. Si le bordel nous dit vas-y, allez, va me chercher telle voiture, on cherche telle voiture, on la ramène et on arrête. Yes. Et bon, c'est clair, je peux le déposer, c'est clear. Yes. Non mais c'est... Tiens, c'est clear, je peux le déposer. Ouais, vas-y. Vous m'avez vu ou pas? Non. Non. Nickel, alors regarde en l'air, vas-y. Je me lève. Ouais, c'est bon, je te vois. Ah ouais. Et sur ce petit toit-là, vous avez toutes les entrées de la ruelle. Donc t'as pas vu de keuf, ça me va. Bon, y'a pas de keuf, il peut y aller. Ah, c'est bon, tant que je dirai, il peut y aller. Il me dit de revenir plus tard, donc je pense que c'est que la nuit. Ouais, à mon avis, ouais. Oui, ou alors pour l'instant il veut rien parce qu'il a eu son stock de caisses. Bon. Ça, tout en sachant qu'il faut pas oublier que les flics ont le point. Oui, il y a ça aussi. Ouais, alors ça, j'avais bien envie de leur claquer le cul au Vagos aussi pour ça. Après, il y a peut-être pas assez de keufs en service. Ah, peut-être aussi. Je pense surtout c'est ça.
Ouais, c'est peut-être D2, hein, on va voir. De toute façon, faut tester, hein, on verra comment ça se fait. Bon, eh ben, retour quartier, on verra ça demain, mais on a des trucs intéressants à faire. On a la dope à vendre et on a ça à faire. Et c'est toujours intéressant d'avoir ça sous le coude aussi. On peut alterner, hein, un jour sur deux, hein. Ah ben, de toute façon, quand le prix des caisses va remonter, on va refaire des caisses. Là, si les voitures ça paye, on va faire des voitures, mais tout en étant... on va tester parce qu'il y a quand même Defcon 2. Dès que ça se calmera, par contre, vas-y. Hein. Ah bah ça va y aller. Hein. Et je peux te dire que le premier, je vais le défendre. Hein. Le premier qui va s'approcher, il va se prendre des balles. De toute façon, le prochain fric qu'on fait, c'est pour des armes. Là. Yes. T'as vu glisser le devin? Ah ouais, je l'ai vu. Ouais. De 27. J'ai eu un de 27 même. Là. Bah là je freinais pas, on s'envole. Hein. On s'envole et si je freinais pas. Hein. C'est comme je suis refait. La Team Rocket est partie vers d'autres cieux là, ouais. C'est comme je suis refait d'avoir cette caisse. Ouais, tu m'étonnes. C'est une dinguerie. C'est clairement une dinguerie. De ouf. Moi j'avais parlé le truc de mon moteur, c'est bon là. Ah, propre. Ouais, y'a plus de bruit chelou. J'ai fait la révision complète, ça m'a coûté 3000 balles. Bon, on sait pas c'est pour combien de temps le Defcon, hein. Non, on sait pas. Bon, bien pour l'instant on est un peu sous le radar, on en profite pour faire tout ce qui est légal, tranquillou et se préparer justement pour la fin du Defcon. De toute façon, si le Defcon demain il est encore là et qu'on fait pas ça demain, on fera ça plus tard, tu vois. On n'est pas pressé, faut, oui, juste on est pas pressé là. Faut juste surveiller, c'est tout. Après, dès que le Defcon y ralentit, let's go, on va voler des caisses. Une voiture qui vient vers chez nous. Il y a une quoi? Une voiture ancienne qui vient vers chez nous. Ok, elle part vers l'exotique. Ah non mais là on est à la maison. Ouais j'arrive aussi mais ouais il y avait une voiture un peu chelou qui se déplaçait bizarrement vers nous. Je suis refait les gars, vraiment. Mais de ouf, c'est parfait. Genre c'est pas une bonne journée, c'est une super bonne journée comme dirait quelqu'un. Ah bah elle avait mal commencé mais elle a bien fini ouais. Moi elle peut pas avoir mal commencé, attends, j'ai eu ma voiture au final. Oui. J'ai ma caisse toute neuve, elle est nickel, elle est au top. Wesh. On a les voitures volées. Mmh. Je vais arrêter de sauter là, à chaque fois je me vautre. Ouais, mais là t'es parti. Ah non, ouais. J'ai ma caisse, on a les voitures volées pour nous. C'est ça, Freddy. Si on arrive à choper le bis des fausses plaques et du nitro, on va lâcher des frères, on va être les rois du pétrole. Hein. Mmh. Si jamais on a le nitro, les fausses plaques et les voitures volées, on ne fera plus rien d'autre que ça et nos courses. Ouais. Mais de ouf. Parce que voilà, hein, faut pas abuser. Mmh. N'abusons pas des bonnes choses. Si jamais on a. Légal et... Non, pas lâcher le légal, tu vois. Ouais, mais si on a tout ça, si on s'occupe de tout ça. Bah, c'est à nous ça gérer. Ça sera déjà pas mal, ouais. C'est à nous de gérer. Hein. Ouais. Bien sûr qu'on aura le temps. Par contre, Juan était content de vous. Il m'a dit, ouais, ils bossent bien, ils font bien tourner le garage et tout. Continuez comme ça, ouais. Les gars. Après, pour l'instant, on fait pas trop d'illégal, donc ouais, c'est sûr, ouais. Mais. Après, il faudra alterner, il faudra gérer. Un jour, c'est un qui fait le garage et l'autre qui fait l'illégal, et ainsi de suite. Bah nous, en plus, comme on est à deux, on peut alterner. Ouais. Bah, c'est ça. Puis, s'il y a un coup de rush, vous y allez à deux, vous charbonnez tout, et puis après, vous repartez, tu vois. Arrive un moment, les gens, ils prendront vos numéros, et puis vous enverront des textos, puis vous leur direz, ouais, bah, d'ici un quart d'heure, j'arrive, vous ne connerez comme ça, tu vois. Bon, ça commence à être ça. Hein. Les gens, ils ont mon numéro, ils veulent faire des swaps, ils m'appellent, je leur dis, écoute, frère, je suis occupé, je t'appelle dans une demi-heure. Ils disent rien les gens. Là on est allez, on est 3-4, on est que 2 à bosser. Hein. On est que 2 à faire tourner le garage. Hein. Parce que l'autre avec sa moto on le voit jamais. Ouais, celui qui s'est fait recruter avec nous en même temps que nous on le voit pas. Ouais, en plus après moi je suis pas l'après-midi donc bon. Ouais non mais Juan est content donc ça va. Ouais. Donc Juan est content, c'est clairement. Que ça va. Il m'a dit ouais moi il bosse, j'ai pas besoin d'être là. Je dis bah écoute tant mieux. Après les gars, voilà, je vais vous dire, dès qu'on va commencer à avoir du bise et qu'on va faire du bise, bah, ça sera un jour sur deux, et puis voilà. Oui,
on changera, on tournera avec Richie. On alternera, bah oui, on alternera. Et puis s'il faut, on fait pas du, s'il faut, on fait pas du bis tous les jours comme ça, voilà. On se consacre des journées au travail légal, on se consacre des journées au travail légal, on se consacre des journées à full business, et puis voilà. Et puis même si je viens avoir une plus grosse prime que lui, tu vois, on prend les deux primes, on les met ensemble et on divise par deux. Hein. Non, mais c'est pas question de ça. De toute façon, on va faire de la thune de l'autre côté. Donc, oui, on va commencer à faire de la thune de l'autre côté. Donc, t'inquiète. Ouh, clairement. Et puis là, de toute façon, je pense que là, on est en recrue, mais on va vite passer. Là, je pense que... Si on commence à brasser de la thune, qu'on commence à avoir tous des grosses bagnoles et tout le bordel, arrivé au moment, les gens ils vont se dire putain, les mecs ils brassent du fric, je vais aller chez eux. T'inquiète. Ah bah oui. C'est intéressé à nous. Hein. Après, on va commencer à pouvoir tester les gens pour les recruter et tout le bordel. Vous cassez pas la c'est tête. Ça. Après, faut aussi qu'on se mette aussi dans le crâne que plus on est connu, plus on a potentiellement d'amis, mais d'ennemis aussi. Quoi. Ah bah, c'est les risques du métier. Des ça ennemis, va on avec, en aura ça. Toujours. Hein. Ah oui. Il y en aura tout le temps, oui. Et là, je sais pas si vous avez fait attention, surtout toi, Richie, mais au Mongrels Bar, ça a parlé de nous encore. Hein. A parlé oui, de j'ai nous, entendu. Oui, si j'ai entendu les Lost dire avalanche, je sais pas quoi. J'ai entendu. Et il a dit ouais, c'est les avalanches. C'est les avalanches. Ouais. C'est bien qu'il parle de nous, frère. Mais oui. On fait rien encore. Et ça parle. On fait rien. Les gens, ils ont peur déjà. Les gens, ils savent. Ils savent qu'on est potentiellement dangereux. Hein. Ouais, c'est ça le truc. Alors, on commence à se montrer un peu partout en fait. Donc, partout actuellement, on est là. Donc, mais puis, comment dire, on n'est pas dans la discrétion. On arrive avec du gris et du orange à balles. On est tout le temps en gris orange. Il n'y a pas un moment où on a une autre couleur que ça en fait. Bah, on assume nos couleurs et on est fiers de nos. Mais de moi, nos vestes, je n'enlèverai jamais mon gris orange. Je serai toujours en gris orange. Peu importe ce que je fais. Clairement. Ah, il va s'en passer des trucs. Mais je suis content. Je suis content. La journée, elle prenait un tournant foireux là, et elle est revenue dans un truc, c'est exceptionnel. Ouais. Là, je suis plus que content là. De savoir ça là. La roue tourne, C'est ça. Oui. La roue tourne, elle a retourné, comme il dirait Gribéry, ouais. La roue tourne, elle a tourné, ouais. Oui. La roue tourne. Bon, allez. C'est pas le trou. Demain, oui. C'est pas le trou, mais le tampax. Moi, je vais dormir. Aïe. Faut que je vous lèche. Mets-toi le tampax dans le fion, oui. Allez, bonne nuit, les filles. Allez, demain. Bonne nuit. Ciao, ciao. L'op, le beau. Et puis plutôt, on va aller se coucher, nous, hein, avec les gars. On n'a pas pu tester ce qu'on avait à tester. Attends, j'ai y aller aussi. Ça marche. Je vois que j'ai bien. Yes, ça roule mon pépito. Tu fais attention sur la route. Ouais, promis. Allez, bisous. Allez, bisous, bonne nuit. Bisous. C'est le truc avec Pépito. Les autres le savent pas, mais Pépito, c'est pas un membre de gang. Pépito, c'est pas un membre de gang comme les autres. Pépito, quand il fait partie d'un groupe, il fait partie d'un groupe parce qu'il a envie d'être avec ces gens-là et c'est tout. Je peux pas lui demander de tout faire à Pépito. Et je sais comment je peux lui faire faire quel ou quel truc. Pépito, c'est particulier. C'est un peu le membre de gang particulier, Pépito. Mais c'est quand même bien de l'avoir. Bon, les amis. Sacrée soirée, quand même. Hein. Avec tout ce qu'on a appris en RP, sacrée soirée, quand même. C'était grave cool. Je suis refait. Les vagos sont plus là pour nous mettre des bâtons dans les roues. Ils vont plus là jouer en mode casse-couille. Tommy m'a donné a donné à Rurik la meilleure nouvelle. La voiture est incroyable. Allez, bonne nouvelle en RP. On peut prendre le business de voiture volée. On va pouvoir essayer de voler des caisses, faire des trucs. On va pouvoir commencer à se faire du fric, à jouer sur plusieurs tableaux. Et c'est très très bien. C'est très très bien. Honnêtement, je refais, parce que ça veut dire que derrière on a le NOS, les plaques, et qu'on arrive à contrôler la zone où il y a le vol de voiture. Pense à mal les couilles en vrai de la contrôler la zone où il y a le vol de voiture. C'est juste qu'on va le faire et personne ne pourra nous aider à le faire. Et du coup on va pouvoir commencer à faire des sous. Bien entendu, on va se limiter. On va voir combien rapporte une voiture volée. Combien on peut la revendre et on va se limiter pour pas abuser. Parce qu'il faut que tout le monde se paye, mais il faut quand même que ça reste.
Là, c'est pas rien d'aller voler des caisses, hein. Il faut quand même que ça reste contrôlé et de manière intelligente. Le nombre de voitures que tu fais par jour ou par semaine. On va bien voir combien ça rapporte, on va bien voir ce que ça donne, on va bien voir comment ça se fait, si c'est facile, c'est pas facile. On va gérer ça du mieux qu'on peut. Et puis, Avalanche va se faire de l'argent. Avalanche va pouvoir commencer à proposer des courses illégales. On va pouvoir commencer à proposer des rassemblements. À envoyer des textos en mode créer un groupe de messages et envoyer un message en mode dans l'entrée deux pilotes maximum par groupe pas de swap moteur on se retrouve à tel endroit départ tel endroit telle heure prenez temps en liquide les gens y vont venir on me donne le liquide. Donner liquide à Mega, Mega vont partir sécuriser. Je mettrai un mec au point d'arrivée, je donnerai le zip du point d'arrivée. Je mettrai tout le monde sur la ligne de départ, et un mec au milieu avec les mêmes, laisse les bras, tout départ de la course, et passer le point. Les flics ou pas, ça va être incroyable. On va commencer à faire des courses illégales et tout le monde. Ça va être incroyable. Pouvoir commencer un truc de fou. Ça va être stylé. Tournure de la soirée, incroyable. Et ça nous laisse tellement de portes ouvertes pour la suite, on va pouvoir faire tellement de choses. Dinguerie sur dinguerie. Sur ce, les amis, moi je vais vous laisser. Demain c'est lundi. Demain après-midi, on fera soit du FF7, soit du FF14. Je verrai. Soit du FF7, soit du FF14. Je sais pas lequel des deux encore. Le syndicat, on le verra pas. Le syndicat, on le verra pas. Ouais, c'est incroyable de ouf. C'est trop bien. Ça fait plaisir de fou. Je refais. Genre, trop bien. On a quand même l'opportunité de gérer, entre guillemets, parce que c'est, voilà, on a quand même l'opportunité de gérer un super business qui peut nous rapporter gros. Donc à nous d'être intelligents et de pas en abuser. De se faire assez d'argent pour pas en abuser. Je pense que ça va être dingue. Ça va être une dinguerie. C'est génial ce qui s'est passé. Bon, allez. Comme je vous dis, demain c'est soit Final Fantasy 7 demain après-midi, soit Final Fantasy 14, je sais pas encore lequel des deux. Probablement le 14, même. Et puis voilà, on va créer un perso, j'ai pas encore. Un perso, je vais me remettre dans Final Fantasy 14, qui est un MMORPG, j'ai plein de trucs à revoir et tout. On va découvrir ça tous ensemble. Donc je fais des bisous, je vous souhaite une bonne nuit. À demain tout le monde.